Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux. Chers frères et sœurs, et chers amis musulmans et chrétiens, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour un débat historique dont le sujet est la crucifixion. Est-elle une réalité ou une fiction? Le temps de parole sera réparti de la manière suivante. La parole sera d'abord donnée au premier intervenant pendant 50 minutes. Le second interviendra ensuite pour une durée de 60 minutes. Puis le premier reprendra la parole pour conclure en 10 minutes. Vous aurez ensuite l'occasion de participer au débat et de poser vos questions. Et maintenant, chers frères et sœurs, nous allons jouer à pile ou face, et celui de ces messieurs qui gagnera choisira de parler le premier ou le second. Ahmed Ida. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Wa qul jaa'al haqq wa zahaqa al-baatil. Innal baatila kana zahuka. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة صدق الله صدق الله العظيم. Monsieur le Président, chers frères et sœurs, pour commencer, puisque j'ai choisi de parler le premier et qu'il me semble voir des chrétiens parmi l'assistance, je voudrais exposer notre position à l'égard de la chrétienté. L'islam est la seule religion non chrétienne qui croit en Jésus. Un musulman ne serait pas un musulman s'il ne croyait pas en Jésus. Nous croyons que Jésus est l'un des envoyés de Dieu. Nous croyons à sa naissance miraculeuse que beaucoup de chrétiens contemporains contestent. Nous croyons qu'il est le Messie, traduit en Christ. Et nous croyons qu'il a ressuscité les morts par la permission de Dieu et qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux par la permission de Dieu. Les chrétiens et les musulmans se rejoignent sur ce point. Mais par contre, ils divergent sur trois autres sujets, à savoir le péché originel, la divinité du Christ et la crucifixion. Voilà les points de désaccord entre les chrétiens et les musulmans. En ce qui concerne le sujet de notre débat, la crucifixion est-elle une réalité ou une fiction? Le Coran donne une réponse claire à cette question. Il dit: au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux. Inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. And they said in boast that we killed Christ Jesus, the son of Mary, the apostle. C'est-à-dire, ils disent avec fierté, nous avons tué Jésus-Christ, le fils de Marie, l'envoyé de Dieu. Et le Coran continue, c'est-à-dire, mais ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ils furent abusés par quelques ressemblances. Ceux qui ont été en désaccord à son sujet doutèrent certainement de sa vraie identité, car ils n'avaient de lui aucune connaissance sûre, si ce n'est une simple conjecture, et ils ne l'ont pas tué pleinement, convaincus de son identité. Une hypothèse, une fiction. Il est sûr qu'ils ne l'ont pas tué. Cet événement décrit par les chrétiens comme étant une crucifixion, C-R-U-C-I-F-I-X-I-O-N, crucifixion, crucifixion, attacher quelqu'un à la croix par des clous, des cordes ou des ficelles, jusqu'à ce que mort s'en suive. Crucifier veut dire faire mourir sur une croix,
de quelque manière que ce soit. Crucifixion. Crucifixion, nous disons que c'est une crucifixion. Crucifixion, cela peut se prononcer crucifixion ou crucifixion. Crucifixion ou crucifixion. L'épellation nous montre la différence entre les deux termes. Du point de vue de l'islam, il s'agit d'une fiction. Alors, quand nous disons que c'est de la pure fiction, les chrétiens produisent des preuves tirées de leurs livres. Ils disent, nous avons un texte écrit par nos témoins et vos témoins, en ce qui concerne la véracité de ce fait qui s'est produit, il y a quelque 2000 ans, Jésus-Christ a été attaché et tué sur la croix, et il y a près de 2000 ans. Alors, ce que je vais faire ce soir, c'est la chose suivante. Au lieu de vous dire, voilà ce que les musulmans disent, ou voilà ce que le Coran dit, je dis, écoutez, je vais vous démontrer que la Bible, que vous tenez entre vos mains, quelle que soit la version que vous avez, vous allez trouver le verset que je vais vous citer et l'argument que je vais en déduire. Jésus-Christ, après sa prétendue crucifixion, est allé dans cette pièce où il avait pris son dernier repas avec ses disciples. Il entra donc dans cette pièce, mais il leur dit, en hébreu, Assalamu alaikum, ce qui veut dire que la paix soit avec vous. Quand les disciples entendirent cela, ils étaient terrifiés. Je demande à mes amis instruits, mes amis chrétiens instruits, pourquoi étaient-ils terrifiés? Quand vous revoyez votre maître que vous aviez perdu de vue, ou votre oncle, ou votre grand-père, ou votre prêtre, ou votre gourou, les Arabes et les Juifs s'embrassent. Ils s'embrassent sur le cou pour montrer leur affection. Au lieu de faire cela, les disciples étaient terrifiés. Je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi étaient-ils terrifiés? Le chrétien me dit que d'après l'évangile, selon Luc, chapitre 24, les disciples étaient terrifiés parce qu'ils pensaient avoir affaire à un esprit. Un fantôme, un spectre. Luc dit, ils pensèrent qu'il était un esprit. Je dis, ressemblait-il à un esprit? Ressemblait-il à un fantôme? Ressemblait-il à un spectre? Le chrétien me dit non. Pourquoi donc s'imaginèrent-ils voir un esprit alors qu'il n'en avait pas l'air? Ma question le troubla. Les chrétiens instruits se troublent toujours quand je leur pose des questions. Pourquoi pensèrent-ils que Jésus était un esprit alors qu'il ne ressemblait pas à un esprit? C'est parce qu'ils avaient entendu dire, les gens parlaient, vous savez, que le maître avait été crucifié. Ils ont appris par oui dire qu'il était mort. Ils ont cru les rumeurs disant qu'il était mort et enterré pour 3 jours. Attendez-vous à ce qu'un homme de sa réputation reste dans sa tombe plus de 3 jours? En fait, toutes les connaissances des disciples provenaient de la rumeur publique. Marc dit au chapitre 14, verset 50, que le moment le plus critique dans la vie de Jésus, c'est lorsque ses disciples l'abandonnèrent pour prendre la fuite. Tous ses disciples le délaissèrent et prirent la fuite, ce qui veut dire qu'ils n'étaient pas nos témoins, ni vos témoins, de ce qui s'est réellement passé. Ils ont seulement repris à leur compte les rumeurs qui circulaient. Il n'est donc pas étonnant qu'ils soient terrifiés, parce que quand vous vous trouvez en présence d'un homme que vous croyez mort et enterré, il est normal que vous le preniez pour un spectre ou un revenant et que vous soyez terrifiés. Jésus chercha à les rassurer et à leur faire comprendre qu'il n'était pas ce qu'il croyait être. Il dit, je cite, « Regardez mes mains et mes pieds, regardez-les, c'est moi en personne. Qu'est-ce qui vous prend donc? Pourquoi avez-vous peur de moi? Il dit, « Touchez-moi et voyez. Touchez-moi et voyez. Car un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'en ai. » Un esprit veut dire n'importe quel esprit. Il s'agit là d'une vérité évidente, axiomatique. Vous n'avez besoin de la prouver ni aux juifs, ni aux athées, ni aux agnostiques. C'est une vérité axiomatique qui doit être admise.
qu'un esprit n'a ni chair ni os. Alors, pourquoi Jésus prit-il tant de peine à leur faire admettre un fait aussi évident qui n'avait nullement besoin d'être démontré? C'est parce que les disciples croyaient que Jésus était un revenant, qu'il avait ressuscité sous la forme d'un corps spirituel. Voilà la raison. Alors il leur dit, je ne suis pas celui que vous croyez, je ne suis pas un esprit, je ne suis pas un fantôme, je ne suis pas un spectre. Ils le touchaient et ne croyaient pas. Encore par pure joie, c'est-à-dire qu'ils étaient très heureux. Ils se demandaient, que s'est-il donc passé? Nous avons appris que le Seigneur était mort et enterré, mais il vient de nous démontrer que c'était bien lui, en chair et en os. Et ils ne croyaient pas encore que par pure joie, et ils s'interrogeaient. Pour les rassurer encore plus, Jésus leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé et du miel. Il les prit et les mangea sous leurs yeux. Pour prouver quoi? Qu'il était un revenant? Un spectre? Ou un esprit? Non. Pour prouver que c'est lui-même et qu'il n'était pas ressuscité. Car le corps ressuscité se spiritualise. Qui l'a dit? C'est Paul. Qui l'a dit? C'est Jésus. Qui l'a dit? Je pense que chacun de vous admet, dans son fort intérieur, qu'un corps ressuscité ne prendrait pas cette forme. Il ne serait pas fait de chair et de sang, de chair et d'eau, mais il apparaîtrait sous la forme d'un être spirituel. Paul, le plus grand témoin des Écritures, Paul le grand apôtre, dit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, à propos de la résurrection du Christ, ce chapitre qui est justement intitulé « La résurrection du Christ » dans les Bibles, il dit au verset 3, « Jésus est mort pour nos péchés, comme le disent les Écritures. » Et au verset 4, « Il a été relevé de la mort le troisième jour, comme le disent les Écritures. » Les Écritures dont il parle ne sont pas celles de Matthieu, ni de Luc, ni de Marc, ni de Jean, parce qu'ils n'étaient pas encore écrites. Nous sommes en l'an 56 après Jésus-Christ, et les évangiles furent écrits quelques 60 ans après Jésus-Christ, selon les savants chrétiens. Il ne se réfère donc ni à Matthieu, ni à Marc, ni à Luc, ni à Jean. Il n'a pas découvert la vérité dans leurs évangiles, non. Il ne s'agit pas de tout cela. Il puise sa connaissance dans l'Ancien Testament. Au verset 14 de sa lettre, il dit, « Si le Christ n'a pas été relevé de la mort, notre prédication est vaine et votre foi est vaine. » En d'autres termes, la chrétienté n'a rien à offrir à l'humanité. Vous n'avez rien à offrir. Et je peux vous assurer que dans mon pays, que les missionnaires chrétiens ne venaient pas dans mon pays pour parler d'hygiène. Nous, les musulmans, nous sommes le peuple le plus hygiénique du monde. Je vous expliquerai cela pendant la période consacrée aux questions, si vous le voulez bien. Nous sommes le peuple le plus hospitalier au monde. Nous vous surpassons en éthique et en moralité. La seule chose que vous pouvez nous dire, c'est à propos du salut, parce que le salut vient uniquement du sang de notre Seigneur Jésus, comme vous dites. Et cela, vous ne l'admettez pas. Voilà la seule chose que vous avez à nous dire. Voilà pourquoi Paul dit que sans la résurrection, votre prédication est vaine, inutile, sans valeur, et que votre foi est également inutile et sans valeur. Elle serait un rebut, comme disent les Américains. Votre religion serait à jeter au rebut si vous n'aviez pas cela. C'est la seule planche de salut que vous avez. Au verset 35, il dit, mais dire à quelqu'un, comment les morts doivent-ils être relevés? Et avec quel genre de corps apparaîtront-ils? Il ne pose pas la question. En quête d'information, il s'agit d'un simple procédé rhétorique. D'ailleurs, il donne lui-même la réponse au verset 42 où il dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts? Il est semé dans la corruption, il est relevé dans l'incorruptibilité. Il est semé dans le déshonneur, il est relevé dans la gloire. Il est semé dans la faiblesse, il est relevé dans la puissance. Il est semé corps physique,
il est relevé corps spirituel. Quand vous mourrez, le corps physique est enterré dans la terre, et terre deviendra. Vous êtes fait de poussière et vous retournerez à la poussière. Et quand vous êtes ressuscité, vous n'apparaîtrez pas sous forme de poussière, mais sous la forme d'un corps spirituel, comme l'affirme saint Paul. Les 14 livres de Paul, dans le Nouveau Testament, sont écrits à partir de cette promesse. Plus de la moitié des livres du Nouveau Testament sont écrits par Paul. 14 des 27 livres qui composent le Nouveau Testament. Et toutes les promesses qu'il prodigue dans son argumentation se fondent sur le fait que Jésus a été relevé de la mort, qu'il a ressuscité spirituellement un corps spirituel. Quand les gens parlent de ce corps spirituel, du corps des anges, c'est quoi un corps? Regardez dans votre dictionnaire, vous allez dire, écoutez, un corps a du poids, du volume, des dimensions, etc. Vous dites, mais il y avait un corps. Et moi je dis qu'il s'agissait d'une apparition. Quand vous voyez une apparition, c'est quoi une apparition? C'est une chose qui nous apparaît sous la forme d'un corps. Le spectre que vous avez vu, ce que vous avez vu, vous voyez quelque chose qui ressemble à une créature humaine. Mais vous savez qu'il est impossible de le secouer, de le saisir, de lui parler. Vous savez, les metteurs en scène américains, les metteurs en scène à Hollywood, ont montré ces phénomènes dans de nombreux films. Et grâce à eux, vous devriez pouvoir facilement vous les imaginer. Encore une fois, ils n'ont fait que conjecturer. Quelqu'un est sorti du trou de la serrure. Une vapeur est sortie, s'est matérialisée en être humain. L'homme invisible ou sabot, celui qui a joué le rôle du voleur de Bagdad. Dans ce film, il fixe une bouteille dans le sable de la plage et en enlève le bouchon. On voit sortir de la bouteille quelque chose comme une fumée qui se transforme en un génie. Ce génie a une forme, il a un corps, mais il est invisible. C'est un corps imperceptible, un corps avec lequel vous ne vous pouvez pas colter. Mais vous dites que c'est un corps. Vous voyez un corps, s'il est seulement minuscule, vous ne voyez rien. Même s'il se tient devant vous, vous ne voyez rien. Donc, il se matérialise, il nous apparaît sous la forme d'un corps humain. Un corps spirituel, nous dit saint Paul. C'est sa façon d'interpréter le phénomène de la résurrection. Tout corps ressuscité est un corps spirituel. Saint Paul ne fait que confirmer les propos de Jésus dans l'évangile selon Luc chapitre 20. Nous lisons au chapitre 20 de l'évangile selon Luc que les prêtres en chef et les scribes venaient à lui avec les anciens. Ils essayaient tout le temps de lui poser des questions pièges pour prendre en défaut cet envoyé de Dieu. Une fois, ils s'approchèrent de lui et l'interrogèrent en disant, « Maître, rabbi en hébreu, c'est-à-dire un homme cultivé et respecté, un prêtre, un scribe ou quelque chose dans ce genre, rabbi. » D'après la coutume juive, si le frère de quelqu'un meurt ayant une femme et qu'il soit sans enfant, il faut que son frère prenne la femme et suscite une descendance à son frère. Il y avait donc 7 frères, et le premier prit femme et mourut sans enfant. Le second l'a pris pour femme et mourut sans enfant. Le troisième l'a pris pour femme et mourut sans enfant. Et pareillement, pour le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. 7 hommes et une femme, l'un après l'autre, la prirent pour épouse. Il n'y avait pas de problème parce qu'ils la prirent l'un après l'autre. Ils demandèrent donc à Jésus, à la résurrection, duquel d'entre eux devient-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Si vous l'avez pour femme dans cette vie, elle sera également votre femme dans l'au-delà. C'est naturel. Imaginez que vous et votre femme êtes ressuscités et que vous revoyez dans l'autre monde, vous lui diriez, ma chérie, ma bien-aimée, venez mon ange, c'est naturel. Si vous reconnaissez votre femme, si vous la revoyez dans l'autre monde, vous vous dites, nous étions ensemble et heureux sur terre durant 5 ans, 6 ans en tant qu'époux, et maintenant, j'aimerais recommencer ou continuer cette relation dans la vie future. Mais le jour de la résurrection, tout le monde se relèvera de la mort instantanément, simultanément, au même moment. Et ces 7 frères qui seront ressuscités d'un seul coup reverront cette femme, et chacun d'eux voudra l'avoir pour femme de nouveau. Vous voyez, elle est à moi. C'était ma femme sur terre. Chaque frère dira, elle est mienne, c'était ma femme sur terre. Tous les 7 l'avaient pris pour épouse. Et tous se battront pour la reconquête de cette femme, jusqu'à ce que la guerre éclate au ciel entre les 7 frères. Elle est mienne, d'où sors-tu, toi? Elle était ma femme, voyez-vous? Alors ces juifs voulaient savoir de Jésus lequel des 7 frères aura droit à cette femme, car les 7 l'ont eue pour épouse. Jésus leur répondit,
personne ne meurt dans l'autre monde. C'est-à-dire qu'une fois ressuscités, ils seront immortels, ou en d'autres termes, les choses qui tuent les humains, comme la nourriture, les habits, ces choses-là ne seront pas nécessaires dans l'au-delà. Vous ne mourrez qu'une seule fois. Plus de mort ? Immortalisé ? C'est un corps matériel, et ce corps a des besoins comme la nourriture, l'abri, les vêtements, le sexe, le repos. Mais l'autre corps n'aura besoin ni de nourriture, ni d'abri, ni de vêtements, ni de sexe, ni de repos, ni aucun des besoins que nous connaissons. Il sera un corps d'un genre spirituel ou autre, mais en tout cas, pas un corps matériel. Ainsi Jésus dit, ils ne mourront plus car ils seront semblables aux anges. Ils seront angélisés, ils seront spiritualisés, ils auront un corps spirituel, ils deviendront des esprits, car ils seront semblables aux anges et enfants de Dieu, car ainsi seront les enfants de la résurrection. Ils seront pareils à des esprits, pareils à des esprits. Paul dit esprit, Jésus dit esprit. Je me demande s'il y a une seule personne parmi vous qui dirait le contraire. Y a-t-il quelqu'un ici, au Royal Albert Hall, qui dirait le contraire devant 6000 personnes? J'ai posé la question à Londres et je n'ai pas trouvé un seul musulman ou chrétien qui conteste cette vérité axiomatique, à savoir que le corps se spiritualise après la résurrection. Paul le dit, Jésus le dit, je le dis et vous le dites. Donc il dit qu'un esprit n'a ni chair ni os. En d'autres mots, pas ce à quoi vous pensez que je suis un revenant, mais pas du tout, je n'ai pas ressuscité. Et pourtant, tout le monde chrétien dit qu'il est mort et qu'il a ressuscité. Il dit à ses disciples, je ne suis pas ce que vous croyez, et il mangea du poisson grillé et du miel. Ce sont les besoins d'un corps matériel. Mais que voulez-vous? Les gens sont devenus programmés. J'ai parlé du lavage de cerveau à l'université de Berkeley en 1977. Je m'adressais à ces étudiants et à des professeurs américains. Je leur disais, vous, Américains, vous avez subi un lavage de cerveau. Alors un professeur se leva et dit, je vous demande pardon. Vous êtes programmé, je dis. Je n'ai pas subi le lavage de cerveau. Je suis plutôt programmé. Ainsi donc, ils sont tous programmés depuis l'enfance. Car leur salut dépend justement de cette question, du fait qu'ils doivent croire à la mort et à la résurrection de Christ. Mais la résurrection est spirituelle. Rien de ce que Jésus a fait après les événements relatifs à sa crucifixion ne montre qu'il agissait comme un esprit. Il est resté tout le temps caché. Il n'est jamais sorti de sa cachette. Il n'est jamais allé au temple de Jérusalem. Il avait promis un miracle aux Juifs. Il n'accomplira jamais ce miracle. Il leur dit, vous rappelez-vous de ce que je vous ai dit? Me voilà. Mais il n'osa pas aller à la rencontre de son peuple, le peuple juif, l'ancien peuple. Il leur avait promis un signe. Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 12, 38, 39 et 40, nous lisons ceci. De nouveau les juifs vinrent vers lui et lui dirent, maître, rabbi en hébreu, nous voulons un signe de vous. C'est-à-dire, nous voulons que vous accomplissiez un miracle susceptible de nous convaincre que vous êtes le Messie que nous attendons. Faites quelque chose de miraculeux. Volez comme un oiseau, marchez sur l'eau, ressuscitez un mort. Faites quelque chose qui prouve que vous êtes au-dessus des humains et qui puisse nous convaincre que vous êtes notre Messie. Pour réponse, Jésus dit à son peuple, une génération méchante et adultère continue à rechercher un signe. Comme une nation horrible, un peuple horrible, vous recherchez un miracle, des tours de magie, pour vous convaincre que je suis un authentique envoyé de Dieu. Vous voulez que je vous montre quelques tours de magie? Il dit alors, une génération méchante et adultère continue à rechercher un signe. Mais il ne lui sera donné aucun signe, pas de signe, pas de miracle, si ce n'est le signe de Jonas, le prophète, un seul, rien qu'un seul signe. De même en effet que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre de l'énorme poisson, de même le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, sera dans le cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. C'est le seul signe que je suis disposé à vous donner.
le seul miracle que je suis prêt à vous donner. Il n'a pas dit, vous savez, il y a cet aveugle que j'ai guéri. Vous savez, il y a cette femme qui avait une hémorragie et qui a guéri, rien qu'en touchant ma robe. Il y a ce mort que j'ai ressuscité, et cette fille qui est morte et que j'ai ramenée à la vie. Et il y a ce figuier que j'ai entièrement détruit avec ses racines et ses milliers de fruits. Et j'ai transformé l'eau en vin. Il n'a rien dit de tout cela. Absolument rien. Il n'a pas dit, rappelez-vous, ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant. Il a seulement dit, il ne vous sera donné de signe que le signe de Jonas, le prophète. Le destin de Jonas. Il n'arrivera ce qui est arrivé à Jonas. Son miracle est mon miracle. J'ai posé la question à ces missionnaires de l'Église. J'ai demandé à tous ces évangélistes, à tous ces prêcheurs des évangiles et de la Bible, dites-moi quel est ce signe. Il a dit, mon signe est le signe de Jonas. Dites-moi quel est ce signe. Et croyez-moi, durant 40 ans, pas un seul chrétien n'était capable de me dire quel était ce signe. Je dis, l'avez-vous accompli? Il dit oui. Je dis, quoi? Comment? Dites-le-moi, sans grand discours. Je suppose que notre docteur Robert Douglas a déjà la réponse. Il devrait connaître toutes ces choses avant tout le monde. Il est missionnaire. Il a peut-être la réponse à cette question. Quel est ce signe? Je dis, écoutez, pour connaître ce signe, pour savoir ce qu'est le signe de Jonas, vous devez consulter le livre de Jonas dans la Bible. Le livre de Jonas consiste en une page. C'est la page 4. Les chapitres y sont courts. Une seule page. Alors, si vous lisez le livre de Jonas, ça ne vous prendra pas plus de 2 minutes. Pas plus de 2 minutes pour lire ce livre. Tout le livre. Ça ne prendra pas plus de 2 minutes. Nous lisons dans ce livre que Jonas fut envoyé à Ninive. Dieu Tout-Puissant lui ordonna, va à Ninive et préviens le peuple qu'il doit se repentir et s'humilier devant le Seigneur, autrement je ferai périr le peuple. Mais Jonas, le prophète de Dieu, est humain. Il se dit, ce peuple matérialiste ne va pas écouter le message, il se moquera de moi. Plus tard, Jésus décrira ce peuple comme une génération méchante et adultère. Jonas pensa donc que cette génération méchante et adultère allait se moquer de lui. Et se sentit découragé. Ainsi, au lieu d'aller à Ninive pour mettre le peuple en garde, il se rendit à Joppé, d'où il prit la fuite à bord d'un navire. Au lieu d'aller dans la direction indiquée par Dieu, il prit la direction opposée pour fuir. Au cours du voyage, il y eut une grande tempête sur la mer. Et comme ces gens étaient superstitieux, ils pensèrent qu'il y avait au bord du navire une personne qui fuyait devant le Seigneur et que la tempête était destinée à le châtier. Ils se demandèrent qui pouvait être la cause de ce malheur, car la tempête était loin de se calmer. Jonas comprit que c'était lui le coupable, car il avait désobéi au Seigneur. Dieu lui avait ordonné d'aller à Ninive, et au lieu de cela, il se rendait à Joppé. En tant que serviteur de Dieu, il n'avait pas le droit d'agir de cette façon présomptueuse. Alors il prit une décision courageuse. Il leur dit, je suis le coupable. Il est dans votre intérêt de me lancer à la mer. Dieu sera satisfait car c'est moi qu'il cherche à châtier et non vous. Vous êtes innocent et vous risquez de vous faire tuer à cause de moi. Il vaut mieux que vous me lanciez à la mer. La mort d'un seul homme peut sauver la nation. And God will be satisfied because actually it's after my blood, not you. And because of me, you innocent people will die. Il répondit, ah non, vous êtes un homme charmant, un homme saint qui doit prier tout le temps. Nous avons un système, notre propre système, pour discerner le vrai du faux. Et ce système consiste à jeter les sorts. Alors ils jetèrent les sorts. Et le sort désigna Jonas comme coupable. Alors ils le soulevèrent et le jetèrent par-dessus bord et la mer se calma. Il ne s'agissait peut-être que d'une simple coïncidence, mais en tout cas la tempête se calma aussitôt. Et maintenant je vous pose la question.
Quand les marins lancèrent Jonas à la mer, était-il mort ou vivant? Mais avant de répondre, vous savez, je ne veux pas que vous vous trompiez, car si vous donnez la mauvaise réponse, il vous sera difficile de vous rétracter après. C'est la nature humaine, voyez-vous, quand on proclame une chose et qu'elle s'avère inexacte, on n'aime pas admettre son erreur. Donc, avant d'ouvrir la bouche, j'aimerais bien vous aider si vous le voulez bien. Voyez-vous, Jonas s'est porté volontaire. Il a dit, lancez-moi à la mer. Quand un homme se porte volontaire, vous n'avez pas besoin de le tuer. Vous n'avez pas besoin de lui casser le bras. Vous n'avez pas besoin de le transpercer d'un coup de lance. Il a dit, lancez-moi à la mer. Alors écoutez bien, lorsqu'ils l'envoyèrent par-dessus bord, était-il mort ou vivant? Je voudrais bien entendre la réponse de vous tous. Je vous demande de crier assez fort pour que la réponse puisse être enregistrée. Jonas était-il mort ou vivant lorsqu'il fut lancé à la mer? Vivant. Vous avez donné la bonne réponse. Mais vous n'aurez pas de récompense parce que la question était trop facile. Les juifs disent il était vivant, les chrétiens disent il était vivant, les musulmans disent il était vivant. Pas de récompense. La tempête se calma donc et Jonas fut englouti par un poisson. Mort ou vivant? Vivant. Encore une bonne réponse. De l'intérieur du poisson, il implora Dieu de lui venir en aide, comme l'affirme le livre de Jonas. Je vous demande, les morts peuvent-ils prier? Les personnes mortes peuvent-elles prier? Non. Donc, il était vivant. Un peu plus fort, je vous prie. Vivant. Dieu soit loué. Pendant la période consacrée aux questions, vous aurez l'occasion, vous tous, qui que vous soyez, de poser vos questions. Alors, pour l'instant, je vous prie de garder le silence. 3 jours et 3 nuits. Le poisson le promena à travers l'océan, mort ou vivant? Vivant. Ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas épouvantés. Au troisième jour, le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. Mort ou vivant? Vivant. Écoutez, que vous soyez hindou ou chrétien, ou juif ou musulman, quand vous lisez cela, si vous avez le moindre bon sens, vous devriez penser qu'il est vivant, vivant, vivant. C'est le miracle des miracles. Quand vous jetez un homme dans une mer tumultueuse, vous ne vous attendez pas à ce qu'il puisse survivre. S'il meurt, il n'y a pas de miracle, puisque vous vous attendez à ce qu'il périsse. Un poisson engloutit un homme, si cet homme meurt, il n'y a pas de miracle. Par contre, s'il reste vivant, là il y a un miracle. Pas de miracle, pas de signe. S'il périt, il y a un miracle. C'est le miracle des miracles. Des miracles, des miracles. Un miracle prodigieux. 3 fois dans la Bible, de tous les points de vue, c'est un miracle. Alors Jésus dit, de même que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre de l'énorme poisson, de même le Fils de l'homme sera dans le cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Comme Jonas était, le Fils de l'homme sera. Je vous pose la question. Comment était Jonas durant ces 3 jours et ces 3 nuits dans le ventre du poisson, mort ou vivant? Vivant. Je pose la question de nouveau. Comment était Jésus dans la tombe durant 3 jours et 3 nuits, mort ou vivant? Vivant. Je vous demande pardon? Vivant. Et pourtant, les chrétiens disent qu'il était mort. Demandez au professeur, demandez au docteur, il vous dira il était vivant 3 jours et 3 nuits. Jonas était vivant 3 jours et 3 nuits et Jésus était mort 3 jours et 3 nuits. Tous les chrétiens du monde vous diront cela, tous les chrétiens. Vous n'avez pas besoin d'être théologien ou prêcheur ou évangéliste. Ce sont des versets qui proviennent du ciel. Vous n'y êtes pour rien. Jonas était vivant et les chrétiens disent que Jésus était mort. Je vous le demande en votre langue, vous les Anglais, vous les Américains qui parlez l'anglais, vous les Anglais qui parlez l'anglais. Je parle l'anglais. Je parle l'anglais parce que c'est ma langue maternelle. Parce que les psychologues disent que la langue maternelle est la langue avec laquelle on prie et on jure. De ce point de vue, je suis également anglais car ma vraie langue maternelle est le courdou. Je parle le courdou. Je parle quelques autres langues également, mais ma langue maternelle est l'anglais si l'on en croit les psychologues. Donc, je vous le demande en votre langue, une langue que vous comprenez tous, j'en suis sûr, l'anglais. Autrement, vous ne seriez pas là. Je dis dans votre langue, voyez-vous. Est-ce comme Jonas ou différent de Jonas? Dans votre langue.
Ce n'est pas comme Jonas. Et maintenant je vous demande, est-ce Jésus qui dit la vérité ou est-ce vous qui dites la vérité? Est-ce Jésus qui est menteur ou est-ce vous qui êtes menteur? Vous ne pouvez pas avoir raison tous les deux. Jésus dit qu'il est comme Jonas et vous dites qu'il n'est pas comme Jonas. Alors, ou il se trompe, ou il ment, ou bien c'est vous qui mentez. Vous avez compris de travers toute l'histoire. Vous lisez en anglais dans votre langue maternelle. Un anglais simple, élémentaire. L'anglais des rois ou l'anglais des reines. C'est la langue que je parle. Car comme Jonas était, le Fils de l'homme sera. Comme Jonas et non différent de Jonas. Un homme savant me dirait, mais monsieur Didat, Jésus met l'accent ici sur le facteur du temps. Mais il n'y a rien de miraculeux dans ce facteur, dans le fait qu'un homme soit mort. Je veux dire qu'il tombe dans la conscience ou dans un état profond de conscience pendant 3 minutes ou 3 jours ou 3 heures ou 3 nuits. Ce n'est pas un miracle. Le miracle, c'est lorsque vous vous attendez à ce que quelqu'un meure et vous le voyez encore vivant. C'est ça le miracle. Comme par exemple un naufragé qui survit à une tempête violente. Et alors ce savant me dit, non, monsieur Didat, Jésus met l'accent sur le facteur du temps. Ne voyez-vous pas cela? Il dit, de même que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits, de même le Fils de Dieu restera 3 jours et 3 nuits. Il répète le nombre 3, 4 fois. Cela montre qu'il met l'accent sur le facteur du temps et non sur le fait qu'il soit mort ou vivant. Je vous demande, a-t-il accompli cela? Le facteur du temps? A-t-il accompli cela? Il me dit non. Je dis, écoutez. Vous venez juste de commettre une erreur. Vous vous trompez de nouveau. Vous avez commis une erreur. Vous venez d'accuser Jésus de mensonge. Jésus dit comme Jonas. Et vous, vous dites pas comme Jonas. Il ne l'a pas accompli. Et vous venez juste de commettre une seconde erreur. Et maintenant, je vous demande, quand est-ce qu'il fut crucifié? Quand Jésus fut-il crucifié? Partout dans le monde, les chrétiens vous disent Vendredi Saint. Avez-vous un Vendredi Saint ici dans votre pays? En Afrique du Sud, nous avons un Vendredi Saint. On l'appelle en Africana Good Friday. Vendredi Saint. En Afrique du Sud, nous célébrons le Vendredi Saint. Switzerland, Sutto, Zambia, Zimbabwe, Angleterre, France, Allemagne, Italie. So I said, now, look, when was he crucified? When was Jesus crucified? And Christendom as a whole, they give you the answer, Good Friday. Have you heard of Good Friday? Do you have Good Friday in your country here? We have it in South Africa. They call it in African, Goeie Vrydag. See, Good Friday. In South Africa, we celebrate Good Friday. Swaziland, Basuto, Zambia, Zimbabwe, Britain, France, Germany, Italy, name them. Tous les chrétiens du monde entier célèbrent le Vendredi Saint. D'où vient le caractère sacré du Vendredi Saint? Ils disent, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Est-ce pour cela que le Vendredi Saint est sacré? Ils disent oui. Ainsi donc, c'était un Vendredi Saint. Ils disent oui. Bien. À quel moment de la journée a-t-il été crucifié? Le matin ou l'après-midi? Certains disent le matin et d'autres l'après-midi. Je dis, je ne veux pas discuter. Tout ce que vous dites, je l'admets. Combien de temps est-il resté sur la croix? 3 heures selon les uns et 6 heures selon les autres. Je dis, je ne veux pas discuter. Vous dites, 3 heures, je l'admets. Vous dites, 6 heures, je l'admets. Je dis, savez-vous que les Juifs étaient pressés de le clouer sur la croix? Il y avait une inscription à ce sujet. Pourquoi étaient-ils pressés? Parce qu'ils avaient peur de la réaction populaire. Jésus était considéré comme un héros par le peuple, il avait guéri les aveugles et les lépreux, il avait ressuscité les morts. Une fois, il a nourri 5000 personnes avec quelques morceaux de poisson et de pain, une autre fois, il a nourri 3000 personnes avec quelques morceaux de poisson et de pain. Un homme de sa réputation, le peuple, aimait cet homme et il risquait d'y avoir une révolte, une émeute, si sa vie était menacée. Alors, vite, débarrassons-nous de lui. Alors, ils l'arrêtèrent et l'emmenèrent pour qu'il soit jugé à minuit devant un tribunal. Puis le matin, ils le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Celui-ci les reçut et dit, cet homme n'est pas de ma juridiction, envoyez-le à Hérode. Ils l'emmenèrent devant Hérode, qui n'avait rien à faire. Il attendait lui aussi. Tout ce monde n'avait rien d'autre à faire non plus. Et lui attendait comme tout le monde. Hérode dit, écoutez, ramenez-le à Pilate, et ils le ramenèrent à Pilate, qui attendait toujours. Toutes ces péripéties peuvent être racontées dans un film réalisé à Hollywood. Mais il ne se passe rien de cela dans la vie réelle. Quoi qu'il en soit,
j'approuve tout ce que vous dites, sans discussion. Finalement, ils l'attachèrent sur la croix vers 3 heures de l'après-midi. Et toujours selon les chrétiens, il resta sur la croix pendant 3 heures environ. Les juifs étaient également pressés de le descendre de la croix. Un peuple bizarre, savez-vous pourquoi? C'est extraordinaire. Ils étaient pressés de le clouer sur la croix et ils étaient pressés de le descendre de la croix. Savez-vous pourquoi? À cause du sabbat, du jour du samedi. Parce que dans leur livre qui s'intitule Deutéronome, il est dit qu'aucune personne ne doit être pendue sur un arbre le jour du sabbat. Et ce jour commence le vendredi à 6 heures de l'après-midi. D'après les musulmans, le jour du sabbat chez les juifs commence au coucher du soleil. Ils ont changé cela. Au coucher du soleil chez les juifs, au coucher du soleil chez les musulmans. Au coucher du soleil, on voit la lune et on commence les festivités. À la fin du mois, on voit la lune et on arrête les festivités. Voilà comment les juifs et les musulmans comptent les jours. Ainsi donc, le jour du sabbat commence un vendredi à partir de 6 heures de l'après-midi, et c'est pour cette raison qu'ils voulaient descendre le corps de Jésus avant 7 heures. Ils devaient faire vite, vite, vite. Ils descendirent le corps de la croix, le lavèrent, ce qui leur prit une heure et demie. C'est le bain funéraire chez les juifs. Ensuite, ils l'enduirent d'un nombre considérable d'aromatiques et l'enveloppèrent du linceul avant de le mettre au tombeau. Une fois ces préparatifs terminés, il faisait déjà nuit. Il n'y avait pas d'autre moyen. Si ce que vous me dites est exact, alors pourquoi faisait-il déjà nuit après tous ces préparatifs et la mise au tombeau? Dans la nuit du vendredi, le corps devait être déjà dans la tombe. Regardez mes doigts. Dans la nuit du vendredi, il est supposé être dans la tombe. Voyez-vous, je fais une division entre le jour et la nuit. Car Jésus a fait de même. Il dit, Jonas est resté 3 jours et 3 nuits. Un jour et une nuit. De même que Jonas est resté, je dis, la nuit du vendredi, la journée du samedi, la nuit du samedi, dimanche matin, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine est allée voir la tombe. C'est ce que la Bible dit. Et la tombe était vide. Je dis, à supposer que vous en connaissiez la raison. Car il aurait pu sortir de la tombe dans la nuit du vendredi, mais puisque la Bible ne le dit pas, moi non plus je ne le dis pas. Mais il aurait pu sortir dans la nuit du vendredi. Alors je vous demande combien de jours et combien de nuits? Voyez-vous mes doigts? Combien? Comment ça? 3? 2 nuits et 1 jour, je vous demande. C'est bien ce que Jésus a dit. De même que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits, de même le Fils de l'homme restera 3 jours et 3 nuits. Je vous le demande, regardez ça. Est-ce la même chose? Est-ce la même chose? À moins que vous soyez aveugle, regardez-moi. Voilà que vous vous trompez encore une fois. Il n'y a pas un seul mathématicien au monde, même pas Einstein, qui puisse vous aider. Oui, vous devriez suivre Herbert Armstrong. Vous devriez écouter Herbert Armstrong. Est-ce comme ça que les Américains se comportent dans un débat religieux? Vous devriez suivre Herbert Armstrong. Croyez-moi, il est mort, mais ses fidèles continuent à proclamer sa vérité dans leur magazine. Ils vendent 8 millions et 8 000 exemplaires par mois. Ils vous diront que Jésus-Christ n'a pas été crucifié un vendredi saint. Ils disent que c'est un mercredi saint. Vous savez, c'est un nouveau train, et 8 millions vont laver le cerveau de tous les chrétiens. Tôt ou tard, tout le monde parlera du mercredi saint, mercredi saint. Et je suis en train de dire à mon peuple en Afrique du Sud, écoutez, si jamais notre gouvernement remplace le vendredi saint par un mercredi saint, nous allons organiser des marches de protestation, et nous irons peut-être occuper le Parlement. Savez-vous pourquoi? Parce que vendredi saint est aussi un jour saint pour les musulmans. Savez-vous pourquoi? Parce que notre peuple, nos ouvriers et tous les travailleurs des usines peuvent aller à la mosquée le vendredi. Parce que vendredi, ils organisent le plus grand rassemblement de la semaine. Vous connaissez la mosquée. Et nous avons 3 jours de congé, vendredi, samedi et dimanche. Alors, avec un mercredi saint, nous n'aurons qu'un seul jour de congé. Donc je leur dis, nous marcherons sur le Parlement. Vous devez être préparés à me suivre. Et une centaine de personnes dire qu'ils étaient prêts à me suivre. Marcher sur le Parlement. Nous ne permettrons jamais l'existence d'un mercredi saint. Mais vous, les chrétiens, vous devriez être embarrassés, car votre puissant envoyé de Dieu s'est trompé une deuxième fois dans ses prophéties.
Je dis, regardez cet homme. Vous dites qu'il est mort pour sauver le monde de ses péchés. Voyez-le, quand à la veille du vendredi saint, il se réunit avec ses disciples dans cette pièce d'en haut. Et pendant qu'il prenait le repas du soir, il leur dit, vous souvenez-vous du jour où je vous ai envoyé pour prêcher et guérir. Je vous ai dit que vous ne devriez rien porter sur vous, ni bourse, ni chaussures, ni bâton. Avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, nous n'avons manqué de rien. Il dit, mais maintenant je vous dis que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement de dessus pour en acheter une. Ils dirent, mais non, nous n'avons manqué de rien. Il dit maintenant que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement de dessus pour en acheter une. Épée. Une épée, vous savez, ces épées à la pointe bien affilée et affûtée. Il leur demande d'acheter des épées. L'un d'eux dit, Seigneur, nous avons ici deux épées. Il dit, c'est assez. Pourquoi ces épées étaient-elles suffisantes? Que comptait-il faire avec des épées? Transpercer des pommes, des bananes? Qu'allait-il faire avec des épées? Des épées à la pointe bien affilée. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 19, verset 27, il dit, « Mais ceux-là, mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, que je devienne leur seigneur, leur roi, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Avec... C'est-à-dire, coupez-leur la gorge. Ceux qui n'acceptent pas que je sois leur roi, amenez-les et tuez-les. Et maintenant, il leur demande de se munir en armes. Et ils portèrent des armes. Et il les conduisit dans ce jardin. Dans quel but? Pour prier? Je dis, ils pouvaient aussi bien prier dans cette pièce d'en haut. Ne pouvaient-ils pas aller au temple de Jérusalem? Pourquoi? Je dis, ils devaient penser à une certaine stratégie quand il emmena les disciples pour faire un somme au milieu de la nuit. Pas pour prier. Il laissa 8 hommes à la porte. Il dit, restez ici et tenez-vous aux aguets avec moi. Il emmena avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, les Irlandais à l'esprit combatif de l'époque. Pierre, le rocher et les fils de Zébédée. Ils comprirent la gravité de l'événement. Le titre qui leur fut donné, les Irlandais durs de leur époque parmi les Juifs, il les emmena avec lui à l'intérieur, bien à l'intérieur du jardin, et il mit en place une première ligne de défense. Il leur dit, restez ici et tenez-vous aux aguets avec moi. De quoi avait-il peur? Il avança un peu et tomba sur sa face, priant et disant, ô mon Père, si c'est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Ô Seigneur, je voudrais bien que vous me sauviez. Mais si cela n'est pas possible, je me mets à votre disposition et que votre volonté soit faite. Puis, entrant en agonie, il continua à prier plus ardemment et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Quel choix! Dieu Tout-Puissant avait fait un choix. Il y avait un contrat entre le Père et le Fils avant que le monde n'existe. Avant que le monde n'existe, il y a un contrat entre le Père et le Fils. Le Père dit, « Fils, je vais vous envoyer sur terre en l'an 4000 après Adam et je voudrais que tu meures pour les péchés des hommes. » On dirait que Jésus n'a rien fait dans ce sens. Voyez-vous, il a placé 8 hommes à la porte. Vous restez ici et je prends 3 hommes avec moi. Est-ce comme ça que vous vous préparez à un suicide? Est-ce comme ça que vous vous préparez à un sacrifice? Un sacrifice volontaire? Dites-le-moi. Si vous avez déjà servi dans une armée, ou si vous avez été dans les Boy Scouts, vous savez que de telles dispositions s'inscrivent dans une stratégie de protection et de défense, et non pour une mise à mort. Et des épées au cas où les Juifs chercheraient à... Il dit, je connais mon peuple, c'est l'esprit que les disciples ont trahi. Dans cette pièce d'en haut, ils avaient prêté serment en disant, Seigneur, nous sommes prêts à aller en prison pour vous, Seigneur, nous sommes prêts à mourir pour vous. Ces hommes ne pouvaient rien contre des Juifs avec des bâtons, des pierres et 2 épées. Les Juifs étaient plus intelligents qu'ils ne pensaient. Ils arrivèrent avec des femmes soldats. La situation a changé. Que pouvez-vous faire contre des hommes armés? Les disciples se seraient fait tailler en pièces. Alors Jésus dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Ne savait-il pas? Il le savait, mais les conditions ont changé, et l'homme a changé. Le Seigneur se résigna, mais il n'était pas venu pour mourir, et il n'est pas mort, car il n'a été ni tué, ni crucifié. Voyez-vous, tout ce qu'il a fait après sa crucifixion, sa prétendue crucifixion, chacun de ses gestes, chacun de ses actes, la façon dont il s'est comporté, était ceux d'un homme qui avait échappé à la mort, et non de quelqu'un qui avait ressuscité. Crucifixion action, supposed to be crucified. After every action, every move that he makes, the way he behaves, is that of a man who has escaped death by the skin of his teeth, not the one who has been resurrected.
Thank you, Mr. Ahmadinejad. Reverend, my pastor, Robert Douglas. Vous avez la chance de pouvoir participer à des réunions comme celle-là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire remarquer qu'il y a peu de pays dans le monde où de telles réunions puissent avoir lieu. Je suis sûr qu'on peut organiser ce genre de débat en Afrique du Sud. Et je suppose que M. Ahmed Didad le fait régulièrement dans ce pays. Je le connais de réputation. Je sais qu'il voyage à travers le monde et participe à ce genre de débat à Londres, parfois avec une personne de ma connaissance, le révérend Anis Sarouch. Et bien sûr, il vient de temps en temps aux États-Unis. J'attire votre attention à vous tous sur le fait que des réunions comme celle-ci sont essentiellement organisées dans des pays occidentaux. Je propose que le prochain débat soit organisé à Damas, au Caire, à Bagdad ou à Rabat. Mais je sais pourquoi cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible parce que les peuples de ces pays, sinon les gouvernements, ne le permettraient pas. Je suis donc heureux de pouvoir participer à ces réunions. Nous vivons dans un pays où il est possible de se réunir et de parler de ces sujets. J'étais réellement intéressé de savoir ce que M. Didat allait dire et je voudrais répondre à quelques-unes des questions qu'il a soulevées. Je vais essayer de le faire pendant les quelques minutes qui me sont allouées. J'aimerais d'abord souligner qu'il a tout à fait raison. Une grande partie de la doctrine chrétienne est basée sur la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Mais je ne suis pas d'accord avec lui sur le fait que les chrétiens n'ont rien à proposer que le salut par le sang de Christ. Je pense qu'il s'agit d'une exagération qui vous est destinée en particulier, mais il le sait très bien. Je crois que les chrétiens ont beaucoup plus de choses à proposer, des choses qui sont vraiment uniques. Mais néanmoins, ce qui constitue l'épine dorsale de la doctrine chrétienne, c'est bien le concept de la réalité de la crucifixion, la mort, la mise au tombeau et la résurrection physique de Jésus. Les évangiles le disent clairement. Par exemple, dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 50, on dit ces quelques mots: « Il resta sur la croix pendant un certain temps, puis il rendit l'esprit. » Quelques versets plus haut, on dit « Ils l'ont crucifié. » Ensuite, on décrit les événements qui se sont produits alors qu'il était sur la croix. Puis le verset 50 se termine par cette phrase « Il rendit l'esprit. » Que signifie cela? Dans l'évangile selon Marc, chapitre 15, on lit également que Jésus a été crucifié. Et le verset 37 dit « Il laissa échapper son dernier soupir. » Il n'y a pas de doute sur ce que disent les évangiles, à savoir que Jésus a été crucifié et qu'il est mort sur la croix. En fait, la question qui a été soulevée est plus importante que cela. Je vais revenir sur les textes que M. Didat a brièvement évoqués. Ce qu'il a mis en cause, quoique indirectement, c'est l'authenticité de la Bible. M. Didat nous a dit ce soir, de façon détournée, que l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean, les écritures de Pierre, de Paul, de Jean, et toutes les autres écritures qui composent le Nouveau Testament, sont tout simplement suspects et ne sont pas dignes de confiance. Ou du moins qu'ils sont falsifiés dans la mesure où ils affirment la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus. Je pense que tout cela relève de simples hypothèses. Voyez-vous, nous pouvons parler de crucifixion et nous pouvons parler de corps spirituel ou de corps spiritualisé, de trois jours, de toutes ces choses-là,
de savoir s'il était mort ou vivant dans le ventre du poisson. Mais ce qui est important dans tout cela, c'est notre attitude à l'égard de Dieu. C'est de savoir si on peut avoir confiance en Dieu. Voilà la question. En quel Dieu croyons-nous? Le livre saint dit, « Je préserverai ma parole et je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. » Jésus a dit, « Le ciel et la terre ne passeront pas, ou le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Et le Coran, en plusieurs endroits, affirme que personne ne peut changer la parole de Dieu. Je voudrais poser la question ce soir. Au premier abord, cette question semble déplacée, mais pour moi, elle n'est pas du tout déplacée. Y a-t-il un seul musulman parmi vous ce soir qui ose avoir l'idée de changer le Coran? Non, dites-le plus fort. Vous avez tout à fait raison. Cette idée n'effleurerait même pas votre esprit. Pourquoi? Parce que vous croyez que le Coran est la parole de Dieu et vous n'osez pas y toucher. Et même si vous décidiez de le faire, ce qui est une idée tout à fait incongrue, votre tentative serait vouée à l'échec parce que, de nos jours, le Coran se trouve partout. Au Maroc, en Malaisie, en Indonésie, en Inde, au Pakistan, en Irak, en Syrie. Dois-je continuer? Et Kansas City, et Lawrence, et Chicago, et New York, et Los Angeles, et Buenos Aires, et Caracas, et j'en passe, et j'en passe. Imaginez que ces deux, ou ces 10, ou ces 100 d'entre vous décident de rassembler et modifier les textes du Coran. Vous seriez découragé très, très vite, parce qu'il est impossible de rassembler tous les Corans qui se trouvent dans le monde. Et si vous le faites, les musulmans diront, ces gens de Lawrence, que sont-ils en train de fabriquer avec les Corans du monde entier? Alors voyez-vous, si une telle idée vous semble complètement absurde, il en est de même pour les chrétiens en ce qui concerne le livre qu'ils aiment autant que vous aimez le Coran. Mais ce que vous ne pourriez pas faire, en raison de l'impossibilité de le faire, les chrétiens l'ont réalisé dès le début. Le message chrétien, sous sa forme écrite, était dispersé dans une multitude de langues, de pays et de peuples, dont beaucoup ne s'aimaient pas et ne se faisaient pas confiance. Beaucoup d'entre eux avaient des doctrines religieuses différentes. Et vous savez bien que c'est un problème difficile. Savez-vous ce qui se passerait dans un cours de religion à l'université de Kansas si je proposais la même chose? Quand vous avez des étudiants chiites et des étudiants sunnites, je sais ce qui se passerait. Vous savez ce qui se passerait? Ils s'observeraient sans cesse et se disputeraient à propos de ce qui est conforme ou non conforme aux paroles du prophète. Ils sont en désaccord sur certaines choses. Vous me direz, mais s'agissant du Coran et des 5 piliers de la religion musulmane, ils sont tous d'accord entre eux. Oui, mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il existe un certain degré de suspicion et de méfiance. Il en était ainsi entre les premiers groupes de chrétiens, j'ai honte de le dire, et même entre les groupes chrétiens d'aujourd'hui. Je serais idiot si je ne l'admettais pas. Vu ce genre de contexte, vu le fait que tous les chrétiens qui connaissent vraiment quelque chose de Dieu, qui aiment la parole de Dieu, le livre saint, la Bible, on se demande, qui oserait changer cela? Qui oserait penser à le faire? Et comment pourrait-on le mettre en pratique? Voyez-vous, du moment que le Nouveau Testament parle de la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus,
Monsieur Didate est tout simplement obligé de tenir compte de la variété des choses qui y sont relatées. Il a beaucoup d'arguments qu'il peut utiliser, mais il est obligé de prendre en compte une variété de choses auxquelles nous ne nous attendons pas. Par exemple, il parle de corps spiritualisé. Et il dit, qui l'a dit? Paul, Monsieur Didate, ne fait pas de distinction entre les termes spirituel, spiritualisé et esprit. Et ne respecte donc pas le contexte du Nouveau Testament, ni les différents sens qu'on peut donner à un mot. Par exemple, dans sa lettre aux Galates, chapitre 6, verset 1, l'apôtre Paul dit, « Vous qui êtes spirituel, essayez de redresser un tel homme. » A-t-il dit, « Vous qui êtes corps spiritualisé ?» Non. Monsieur Didate, auriez-vous compris que le mot spirituel dans le verset 15 doit être pris à chaque fois dans le sens d'esprit ou de spiritualisé? Vous trahissez le texte en l'interprétant de cette façon. Vous ne respectez pas le contexte du Nouveau Testament dans la variété, dans les différentes possibilités d'utiliser les termes. Il nous dit par exemple que lorsque Jésus fut trahi, tout le monde prit la fuite et que personne donc ne pouvait être témoin de sa crucifixion. Comment pouvez-vous le savoir? Il ne s'agit que d'une supposition. Le Nouveau Testament ne dit pas que les disciples se sont enfuis, mais qu'ils se sont cachés. Vous devriez reconnaître que c'est une interprétation de votre part, car c'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, soutient votre thèse. À propos de Jésus et de Jonas, il demande si ce dernier était vivant dans le ventre du poisson. Il répond oui, puis en déduit que Jésus était également vivant. Il nous parle de trois nuits et trois jours et ainsi de suite. Je vais vous donner la réponse concernant le signe, Monsieur Didate. Jonas était enseveli à l'intérieur du poisson et Jésus était enseveli au cœur de la terre. La question n'est pas de savoir s'ils étaient restés trois nuits et trois jours, ni s'ils étaient morts ou vivants. L'important, c'est qu'ils étaient ensevelis. Je suis surpris d'entendre cela de votre part. Si j'ai bien compris, vous avez admis que Jésus était resté vivant trois jours dans la tombe. Mais l'islam ne dit pas cela. L'islam dit que Jésus s'est caché chez quelqu'un qui habitait dans les environs, qu'il a pu échapper et prendre la fuite, et qu'une autre personne a été crucifiée à sa place. Voilà l'interprétation de l'islam. N'est-ce pas vrai, mon ami? Si vous regardez parmi vos savants, si vous examinez la diversité des opinions et des interprétations dans la théologie musulmane, c'est du moins une perspective. Ce que vous n'avez pas dit à votre communauté ce soir, c'est que l'islam comprend une grande diversité d'opinions sur de nombreux sujets. Mais vous n'allez pas entendre cela ce soir, vous allez l'apprendre. Ce qui vous a été dit ce soir par un homme est en fait important. Et nous pouvons choisir ce soir une centaine de sujets et découvrir une très grande diversité. Jésus est resté vivant trois jours dans la tombe. Je suis vraiment étonné. Il a demandé à quoi équivaut ces trois jours. Eh bien, je vais vous dire à quoi équivaut cinq minutes. À Beyrouth, il vaut mieux que vous ne comptiez pas les cinq minutes comme étant le résultat de 60 secondes multipliées par 5. Parce que ça ne donne pas du tout cela. Pouvez-vous réparer mes chaussures? Oui. Quand est-ce que je pourrai les récupérer? Dans 5 minutes. Cela veut dire dans peu de temps. C'est très imprécis. Docteur Douglas, combien de temps êtes-vous resté à Lawrence, Kansas? 2 jours. Quand êtes-vous arrivé? Jeudi à 2 heures. Quand êtes-vous parti? Vendredi à 9 heures. Cela fait difficilement 48 heures. Mais cela veut dire 2 jours.
Car c'est de cette façon que nous utilisons la langue, et c'est de cette façon que les écrivains du Nouveau Testament utilisaient la langue. Mais vous, vous déformez les choses, vous découpez les jours et vous posez des questions. Quel est le vrai problème ici? Vous devez respecter le contexte. Vous devez tenir compte du cadre, de la façon dont les gens, dans leur propre culture, traitent les problèmes et les sujets, et ainsi de suite. D'accord? Ceci étant dit, je vais maintenant vous exposer notre point de vue. Le Livre Saint, pratiquement du début jusqu'à la fin, est jalonné de repères concernant la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus. Je ne peux pas développer cela en détail, au risque de passer pour un idiot à vos yeux. Mais je vous incite à étudier cela plus tard. Dans la Bible, au chapitre 22 du livre de la Genèse, on nous dit qu'Abraham accepte d'offrir son fils en holocauste pour Dieu. Les musulmans pensent que ce fils, c'est Ismaël. Le livre de la Genèse dit que c'est Isaac. Voilà une autre question à discuter. En chemin vers le lieu du sacrifice, Isaac demande à son père où est le mouton pour l'holocauste. Abraham répond, « Dieu se pourvoira du mouton, mon fils. » Abraham attache son fils et se prépare à l'égorger. Le Seigneur intervient alors et lui envoie un bélier pour l'offrir en holocauste à la place de son fils. Il lui dit, « Puisque tu as fait cette chose et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique fils, je te bénirai. » C'est une allégorie, un exemple, une analogie qui nous sont montrées à travers un événement historique. Cela veut dire que si nous implorons Dieu et si Dieu le veut, il nous envoie un bélier pour qu'il soit sacrifié pour notre salut, ce qui est le cas de Jésus. Quand Jean-Baptiste rencontra Jésus, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Nous trouvons une allégorie semblable pendant les Pâques des Juifs dans le livre de l'Exode, chapitre 12. Dieu dit à Moïse, « Chaque famille doit se procurer un mouton sans défaut et l'égorger. » Puis il ajoute un peu plus loin, « Je devrais passer par le pays d'Égypte cette nuit-là et frapper tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'à la bête, et sur tous les dieux d'Égypte, j'exécuterai des jugements. » Je suis le Seigneur, et le sang devra servir pour vous de signe sur les maisons où vous êtes. Et je devrais voir le sang et passer par-dessus vous. Cela fait penser à l'information donnée dans le Nouveau Testament selon laquelle Jésus est l'agneau de Dieu. Il en est de même dans la première lettre aux Corinthiens où Paul dit « Jésus-Christ, notre Pâque, où notre mouton de Pâques a vraiment été sacrifié. » Ou bien Jésus est l'agneau de Dieu, le mouton de Pâques, où le bélier est offert pour empêcher la mort d'un innocent, ou bien les Écritures des chrétiens et des juifs ne sont pas dignes de confiance. Et si elles ne sont pas dignes de confiance, je dois affirmer ce soir que Dieu a échoué. Car Dieu a dit que sa parole serait préservée. Dieu a dit qu'il préserverait sa parole. Dieu a dit que personne ne pourrait changer sa parole. C'est encore une analogie tirée de l'histoire des Juifs. Ce jour particulier, un animal, en fait deux animaux, jouèrent des rôles différents. L'un s'est sacrifié pour les péchés de l'humanité et l'autre, toujours vivant, est venu porter tous les péchés de l'humanité dans un endroit merveilleux où le péché n'existe plus. Ces deux animaux
devaient se confronter chaque instant et chaque jour. Dans le Nouveau Testament, dans le livre des Juifs, chapitre 9 et 10, cette idée est largement développée. On y voit Jésus en double personnalité. Il est en même temps le prêtre et l'agneau du sacrifice, et dans les deux cas, celui qui élimine et ôte le péché. Le prophète a bel et bien dit la vérité. Je vais citer un autre exemple du livre d'Ésaïe. Je comprends que M. Didat soit tenté de dire « c'est une prophétie intéressante, mais il n'est pas du tout dit qu'il s'agit de Jésus ». Vraiment pas, dans le livre d'Ésaïe. Et en fin de compte, Ésaïe a vécu 700 ans avant Jésus-Christ. Mais il est écrit qu'il allait apparaître dans les Écritures du Nouveau Testament parce que les hommes ont désobéi au Seigneur. Maintenant, il s'agit de savoir si la parole de Dieu est véridique ou non. De savoir si Dieu a failli ou non. Parce que Dieu a dit qu'il allait préserver et protéger sa parole. Dans le chapitre 53 du livre d'Ésaïe, nous lisons ceci. Il était serré de près et il se laissait affliger. Cependant, il n'ouvrait pas la bouche. Il était mené à l'abattage comme un mouton et il n'ouvrait pas la bouche. À cause de la détention et du jugement, il a été enlevé. Et qui se préoccupera de sa génération? Car il a été retranché du pays des vivants. À cause de la transgression de son peuple, il a reçu le coup. Et il mettra sa sépulture avec les méchants et avec la classe des riches, bien qu'il n'eût pas commis la violence et qu'il n'eût pas la tromperie dans sa bouche. Et un peu plus loin, le même chapitre continue ainsi. C'est pourquoi je lui donnerai une portion parmi les grands, et ce sera avec les puissants qu'il repartira et qu'il répartira les dépouilles. Parce qu'il a répandu son âme jusqu'à la mort, et que c'est parmi les transgresseurs qu'il a été compté, et que lui-même s'est chargé du péché de beaucoup de gens, et qu'il s'est mis à intervenir pour les transgresseurs. Il s'est chargé du péché de beaucoup de gens, et il s'est mis à intervenir pour les transgresseurs. Eh bien, si vous pensez à cela, et si vous lisez cela attentivement, vous verrez le lien entre ce texte et ce que Abraham a fait auparavant. Ce que les Juifs ont fait le jour de Pâques, et ce qui s'est passé le jour de la mise au tombeau. Et si l'on examine le texte du Nouveau Testament, nous trouvons un enchaînement d'idées du même ordre. La mort de Jésus est présagée et annoncée à plusieurs reprises. Durant sa vie, il a évoqué sa mort prochaine, quoique de façon indirecte. Je sais que la signification de ces versets peut prêter à discussion, mais par exemple dans l'Évangile selon Jean, chapitre 2, verset 19, Jésus dit « Démolissez ce temple ». Et en trois jours, je le relèverai. Puis Jean ajoute, il parlait du temple de son corps. En trois endroits dans l'évangile selon Jean, Jésus parle de son ascension et dans l'esprit de Jean. Il ne s'agit pas d'une ascension sur la croix, mais d'une ascension vers le ciel par laquelle Jésus est glorifié comme étant le Seigneur. Dans l'un de ces passages qui évoque l'ascension de Jésus, il y a une explication qui commente la manière dont il mourra. Au dixième chapitre de l'Évangile selon Jean, Jésus tient ce genre de propos étonnant. Et de nouveau, je pose la question, Dieu protège-t-il sa parole? Les hommes peuvent-ils changer la parole et la volonté de Dieu? Jésus dit, je suis l'excellent berger. Je suis l'excellent berger qui se dessaisit de son âme pour les brebis. Il ne dit pas que l'excellent berger agit comme quelqu'un qui sacrifie son âme pour ses brebis. L'excellent berger ne fait pas semblant de sacrifier sa vie, mais la sacrifie réellement. L'excellent berger sacrifie sa vie pour ses brebis, et je suis l'excellent berger. Dans 10 versets, il répète 3 fois, « Je sacrifie ma vie », puis ajoute, « C'est pourquoi le Père m'aime, parce que je sacrifie ma vie pour la recevoir de nouveau. » Voyez-vous, il ne sacrifie pas sa vie par pure perte. Il ne meurt pas
pour simplement mourir, il meurt pour qu'il soit ressuscité. Jésus parle du blé qui tombe en terre dans le chapitre 12 de l'Évangile selon Jean. Il dit, si le grain de blé tombe en terre et meurt, il porte beaucoup de fruits. Si vous remettez cela dans son contexte, vous comprendrez qu'il parle de sa résurrection. Si ce genre de figure ambiguë présente quelques difficultés d'interprétation, nous avons ailleurs une abondance d'exemples du même type. Jésus dit à ses disciples que le Fils de l'homme endurerait beaucoup de souffrances et qu'il serait rejeté par les anciens, les prêtres en chef et les scribes, et qu'il serait tué et ressuscité après 3 jours. Ces paroles étaient tellement explicites que Pierre le prit à part et commença à lui faire des reproches. C'est peut-être à cause de cela qu'ils étaient terrifiés et qu'ils s'imaginèrent voir un esprit. Ils n'ont pas prévu que Jésus allait être relevé de la mort. Ils ne pouvaient pas supporter cette idée, bien que Jésus l'ait clairement exprimé en plusieurs occasions. Dans l'Évangile selon Marc, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme sera trahi par les hommes, ils le tueront, mais dans 3 jours, il sera ressuscité. » Mais ils n'ont pas compris ce qu'il voulait dire et ils avaient peur de l'interroger à ce sujet. Ça, c'était dans le chapitre 9. Et dans le chapitre 10 de Marc, Jésus dit encore à ses disciples, « Le Fils de l'homme sera livré aux prêtres en chef et aux scribes, et ils le condamneront à mort, et le livreront aux hommes des nations, et ils se moqueront de lui, et ils le fouetteront et le tueront. Mais 3 jours après, il ressuscitera. » Maintenant, si vous voulez ergoter et dire, « Mais dans ces versets, Jésus parle du Fils de l'homme. » Et si quelqu'un d'entre vous conteste cela, je lui dirai que l'expression « Fils de l'homme » doit être comprise dans le contexte de la Bible. L'expression « Fils de l'homme », comme le mot spirituel, se prête à plusieurs sens. Non seulement un ou deux, mais plusieurs sens. Et elle ne serait pas comprise si l'on ne tient pas compte de toute la gamme de signification qu'elle peut receler. À un certain endroit, Jésus dit, le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme, qui que ce soit, n'est pas seulement un être humain. Le Fils de l'homme est quelqu'un qui est descendu du ciel. On ne peut guère prétendre qu'un tel homme peut avoir des rapports sexuels avec une femme, ou qu'il peut avoir des enfants. Il y a quelque chose de divin dans tout cela. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 9, verset 35 et suivant, Jésus s'adresse à un homme qui était aveugle et qui a recouvert la vue grâce à lui. Il lui demande, « As-tu foi dans le Fils de l'homme ?» L'homme répond, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je puisse avoir foi en lui ?» Jésus dit, « C'est celui qui te parle. » Il parle avec lui, Jésus. Alors, n'essayons pas de tourner autour du pot et d'ignorer le sens clair des propos de Jésus quand il dit « Le Fils de l'homme sera tué », en feignant de croire que le Fils de l'homme ne désigne pas Jésus. Dans les évangiles, Jésus utilise ce titre pour lui-même. Plus encore, dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 20, verset 28, Jésus dit que le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme rançon pour beaucoup de gens. Certains diront servir et donner sa vie pour les autres ne signifie pas nécessairement mourir pour eux. Mais un peu plus loin dans l'Évangile, au début du repas du Seigneur, la scène, l'Eucharistie ou la communion, comme il vous plaira de l'appeler, Jésus prend une coupe et dit, « Ceci représente mon sang qui doit être répandu pour beaucoup en vue du pardon des péchés. » Jésus a décidé de donner sa vie comme rançon pour beaucoup d'hommes en répandant son sang.
Monsieur Didat a parlé de jardin, d'épée, de 8 hommes postés à la porte du jardin pour le garder. Il s'agit d'une supposition. Où dit-on que ces hommes furent postés pour garder le jardin? Le texte ne le dit pas. On veut interpréter le texte de manière à y trouver une idée susceptible d'étayer un certain point de vue. On cherche à nous faire croire que Jésus, à ce moment-là, ne voulait plus mourir, mais qu'il était plutôt déterminé à combattre pour sauver sa vie. Ainsi donc, on occulte les allégories et les métaphores de l'Ancien Testament. On ignore le sens figuré du discours de Jésus pour ne retenir que le sens littéral de ses propos. Je serai délivré, je serai crucifié, je serai tué, je serai ressuscité de la mort au 3e jour, tels qu'ils sont cités dans les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Puis on pose la question, est-ce vrai ou non? A-t-il été réellement crucifié? Ou s'agit-il d'une fiction? Mais le fait que ce soit une fiction n'a rien de réjouissant, car cela revient à dire que Dieu s'est trompé. Monsieur Didat me dirait sans doute, mais regardez dans vos écritures, regardez vos différentes versions, regardez vos différents manuscrits, regardez vos différentes éditions. Vos différentes traductions. J'espère qu'aucun d'entre vous ne se hasarde à susciter une controverse à ce sujet, parce que moi aussi je peux invoquer les nombreuses traductions du Coran. Je peux apporter un Coran en anglais traduit par Mohamed Pigtail et un autre Coran en anglais traduit par Yusuf Ali et vous citer certains textes qui disent des choses différentes. Mais qu'est-ce que cela prouve? Cela ne prouve rien. Cela prouve que la personne qui a traduit de l'arabe vers l'anglais, ou les personnes qui ont fait cela, ne sont pas d'accord entre eux sur le choix des termes anglais. Et si quelqu'un vient dire « Aha, voici une version, voici une traduction, voici l'édition standard, revue et corrigée. Voici la version du roi James. » Et regardez les différences entre elles, je dirais ce qui est valable pour la Bible est également valable pour le Coran. La parole du Nouveau Testament est que Jésus a vécu, que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Voilà le message des apôtres qu'on trouve à travers le Nouveau Testament et qui est affirmé par chacun d'eux. Ces informations proviennent de sources historiques. La croix, en tant que symbole, remonte à l'époque de Jésus. Et nous retrouvons ce symbole parmi les premières communautés chrétiennes. Le baptême, les actes chrétiens, l'administration des sacrements et autres aspects du christianisme, tout cela est, d'une façon ou d'une autre, associé à la mort, la mise au tombeau et la résurrection du Christ. Mais dans les premiers temps du christianisme, le repas du Seigneur, la scène ou l'Eucharistie ou la communion, comme il vous plaira de l'appeler, fut considéré comme le symbole du Christ qui est mort dans sa chair, qui a donné son sang et qui a ressuscité. Le témoignage des anciens, bien sûr, vous pouvez dire qu'ils n'ont pas vécu à l'époque de Jésus. Mais vous trouvez un homme comme Justin Martin, qui dans sa défense du christianisme écrite vers l'an 150 après Jésus-Christ, demande à l'empereur de vérifier les détails de la mort de Jésus mentionnés dans un document intitulé « La hache du gouverneur romain de la Judée, Ponce Pilate ». Vous trouverez Tacitus qui, dans ses annales romaines écrites au début du 1er siècle, étudie les origines du christianisme et parle de Jésus qui fut exécuté par les citoyens dans la région de Pilate sous le règne de Tibère. Nous trouvons un homme appelé Phallius qui, dans un écrit datant de l'an 52 après Jésus-Christ, est cité par un chrétien nommé
Julius Africanus, parle de la crucifixion de Jésus. Vous trouvez au musée britannique des manuscrits syriaques de l'an 73 après Jésus-Christ, où l'on reproche aux Juifs d'avoir tué leur roi sage. Vous trouvez les traditions rabbiniques qui mentionnent que Jésus a été crucifié à la veille de Pâques. Que signifie tout cela? Ou bien ces événements ont eu lieu réellement? Ou bien tous ces gens se sont trompés? Mais revenons à ce verset du Coran qui dit: ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ils furent abusés par quelques ressemblances. L'interprétation de ce verset suggère l'idée que les Romains et les Juifs ont été trompés, qu'ils ont crucifié Jésus, mais qu'en réalité, ils ont crucifié quelqu'un d'autre. Ont-ils été abusés alors? Étaient-ils à ce point ignorants et idiots? Ou bien est-ce Dieu qui a voulu protéger son prophète? Et si c'est Dieu qui est intervenu pour protéger son prophète, quel genre de Dieu serait-il? Ce Dieu qui laissa une grande partie de l'humanité croire à cette supercherie? Ou bien serait-ce les disciples qui se sont laissés abuser? Si c'était le cas, on voudrait bien savoir par qui ils ont été abusés. S'agit-il de simple ignorance? Ou bien ont-ils été abusés par Dieu? Qui finalement n'a pas été abusé en ce qui concerne la crucifixion et la mort de Jésus? On dirait que tout le monde l'a été. Et si tout le monde a été abusé, qu'est-il arrivé à Dieu? Qu'est-il arrivé à Dieu qui voulait transmettre son message à l'humanité par l'intermédiaire d'un prophète comme Jésus et qui aurait failli dès le début parce que les Romains et les Juifs et donc les chrétiens ont été abusés? Ou bien ils ont été abusés, ou bien ils étaient malhonnêtes. Ils connaissaient la vérité. Mais ils ont écrit délibérément, volontairement et malignement qu'il est mort alors qu'il n'en était rien. Pourquoi avoir envoyé un ange à Jésus si c'était seulement pour essuyer un échec tout de suite après? Ce qui serait arrivé également si les disciples avaient été abusés. Pourquoi la crucifixion? Pourquoi la résurrection? Ou s'agit-il d'autre chose que le salut par le sang du Christ? Est-ce vraiment cela? Monsieur Didat a parlé au début de la différence entre le christianisme et l'islam au sujet du péché. Le péché originel, une idée qui se prête à une demi-douzaine d'interprétations parmi les chrétiens. Les chrétiens ne sont pas unanimes en ce qui concerne les implications du péché originel, mais tous les chrétiens croient, comme le dit la Bible. Comme le dit le Livre Saint, que l'être humain est un pécheur et que le péché dont il est coupable n'est pas une simple faute, que l'homme porte en lui un mal fondamental qui est la conséquence du choix fait par lui en se rebellant contre Dieu. Cette rébellion a engendré le péché. La preuve se trouve dans l'expérience humaine. Combien d'entre vous, s'ils sont vraiment sincères au fond de leur cœur, ou quand ils se trouvent seuls dans le silence de la nuit, combien d'entre vous peuvent réellement, réellement affronter et surmonter leur penchant à l'orgueil, à la vanité, à la luxure et autres turpitudes humaines?
those tendencies within you toward self-centeredness, toward pride, toward lust. Je pense que chacun de nous connaît des moments de sincérité où il admet qu'il est incapable de surmonter ces choses par ses propres moyens ou par des cérémonies rituelles. Pourquoi en est-il incapable? Pour les raisons exposées dans le livre saint relative à la nature du péché. Pourquoi la crucifixion? On peut envisager cette question dans un contexte différent. La crucifixion serait d'une certaine manière une question d'honneur, l'honneur de Dieu. Un livre de l'Ancien Testament dit, si un homme couche avec sa mère, il apporte le déshonneur à son père et doit être puni de mort. Si un homme couche avec sa sœur, il apporte le déshonneur à sa famille et doit être puni de mort. Et ainsi de suite. Les dispositions de la loi mettent en évidence la question de l'honneur. Vous savez ce que c'est l'honneur. Vous savez ce qu'est l'honneur. Le déshonneur appelle le châtiment de Dieu. Dans le premier livre de Samuel, dans l'Ancien Testament, on nous dit que Dieu a fait mourir les fils d'Éli parce qu'ils ont apporté le déshonneur à leur père. Dans le livre de Daniel, Dieu dit au roi Belshazzar, tu as outragé Dieu, et pour cela, Dieu a compté les jours de ton royaume et y a mis fin. Voyez-vous, nous sommes capables d'outrager non seulement notre famille, mais Dieu également. En plusieurs endroits, Dieu dit, vous m'avez outragé et vous m'avez couvert de honte. Et dans le Nouveau Testament, Jésus, citant une parole du prophète Ésaïe, dit à l'adresse des Juifs de son époque, ces gens m'honorent de leurs lèvres, seulement de leurs lèvres, car leur cœur est loin de moi. Voyez-vous, il est possible d'offenser Dieu tout en l'honorant des lèvres. Mais comment régler le problème du déshonneur? Il ne s'agit pas seulement d'un simple rituel. Vous, les musulmans, pensez à votre propre pays. Pensez à l'attitude que plusieurs gens dans la société adoptent face au déshonneur. Une fille ou une sœur sort seule et ne rentre pas la nuit. Elle rencontre un jeune garçon dans la rue. Ils font connaissance, puis ils se promènent main dans la main. Puis ils se caressent. Puis ils ont des rapports sexuels. C'est la honte. Puis la fille rentre le lendemain et dit, « Père, mère, famille, je suis désolée. » Et on lui répond, ça va, n'en parlons plus. Mais vous savez très bien qu'on ne peut pas effacer un déshonneur causé à la famille par le péché, tout simplement parce que quelqu'un a dit, je suis désolé, et qu'un autre répond, n'en parlons plus. Qu'en est-il de l'honneur de Dieu? Quand on porte atteinte à l'honneur de Dieu, quand vous et moi offensons Dieu, que doit-on faire alors? Suffit-il de dire, « Oh mon Dieu, je suis désolé » Doit-on accomplir une sorte de rite extérieur? Ou bien doit-on dire du fond du cœur, « Oh mon Dieu, je suis désolé, je vais accomplir ce rite pour obtenir votre pardon » Non. À ce stade, Dieu intervient lui-même. Et c'est alors que le grand miracle se produit.
Au chapitre 15 de l'évangile selon Jean, Jésus dit « Personne n'a de plus grand amour que celui qui sacrifie sa vie pour ses amis. Et maintenant, je vous appelle mes amis. » Ainsi, Dieu a envoyé Jésus pour s'interposer entre Dieu et les hommes, pour traiter le problème de l'offense faite à Dieu. Et il l'a fait en réparant notre faute, en mourant pour nous, comme beaucoup d'hommes et de femmes sont morts parce qu'ils ont déshonoré leur famille, leurs frères ou leurs sœurs. Le Coran parle d'Abraham comme quelqu'un qui a voulu sauver son fils par un sacrifice suprême. C'est ce que Dieu a fait. Suite à l'offense que nous lui avons faite, il a voulu nous racheter par un noble sacrifice, le sacrifice de Jésus. Celui qui s'est interposé entre Dieu et les hommes, celui qui est devenu le protecteur, celui qui est devenu le médiateur, l'intercesseur, celui qui a reçu le coup quand il y avait un coup à recevoir. Et en fait, il y a toujours des coups à recevoir quand il s'agit d'offense. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 5, Jésus dit « Le Père ne juge absolument personne, mais il a remis au Fils tout le jugement, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Je vous suggère ce soir que la crucifixion et la résurrection doivent être une réalité. Autrement, vous et moi serons livrés à nous-mêmes sans aucun espoir, parce que nous avons offensé Dieu, et cette offense ne peut être effacée facilement. Certains diront, est-ce crédible tout cela, que l'on puisse mourir pour d'autres? Crédible? Oui, au-delà de toute raison, d'une certaine façon, lui également. C'est du moins un acte et un geste de Dieu. C'est un témoignage de l'amour de Dieu. C'est un témoignage de la miséricorde de Dieu, un témoignage de la justice de Dieu, une clémence inhérente à la nature même de Dieu, inséparable de la nature même de Dieu. Je voudrais vous suggérer ce soir que tout espoir de vie éternelle, basé sur nous-mêmes, ou sur l'accomplissement de rites religieux, est un espoir extrêmement tenu. Dieu, comme il est dit dans la Bible, et je pense aussi dans l'islam, est un Dieu épris de justice, un Dieu qui châtie, mais également un Dieu miséricordieux et un Dieu compatissant. J'admets que d'une certaine manière, il est difficile de concilier ces idées. Car comment peut-on à la fois être juste, ce qui implique la nécessité de venger les offenses et les insultes qu'on subit, et clément et miséricordieux? Tout simplement en ignorant les offenses? Vous me direz, il s'agit là de clémence et de miséricorde, mais où est donc la justice? Où est l'esprit de vengeance? L'écartez-vous? L'ignorez-vous? Le niez-vous? Cesse-t-il d'exister? D'autre part, si un jugement doit être rendu, si la justice doit être appliquée, si l'offense doit être vengée, nous irons tous en enfer. Que faire alors? La réponse de l'ange, qui est Jésus, est que Dieu a incarné en Jésus sa justice, sa clémence et sa compassion en le chargeant de résoudre le problème de notre rébellion
de l'insulte que nous lui avons faite, de l'offense par laquelle nous avons outragé son nom sacré. En fait, en s'interposant entre Dieu et les hommes, en se substituant à nous, en devenant notre protecteur, en portant notre fardeau, Jésus a dit, « Personne n'a de plus grand amour que celui qui sacrifie sa vie pour ses amis. » Et c'est ce que Jésus a fait. Il s'est sacrifié pour ses amis, pour tous ceux qui voudraient se retourner vers lui, s'en remettre à lui à un certain degré, et avoir foi en son acte et en sa bonté. Laissez-moi vous faire ces derniers commentaires, car mon temps de parole touche à sa fin. 5 minutes ? 5 minutes, entendu. Laissez-moi vous suggérer certaines choses qui n'ont pas été dites ce soir, et certains parmi vous seront contents de les entendre. Vous allez peut-être dire non, à l'instar de certains de mes frères chrétiens qui, il y a quelque temps, ont dit non également. Mais je vous exhorte. Je vous exhorte à examiner votre histoire, à examiner ce que disent vos savants pour vous rendre compte de la grande diversité de l'islam et pour en tirer certaines conclusions. Laissez-moi vous suggérer certaines choses qui n'ont pas été dites ce soir. La Bible est-elle digne de confiance? Non, elle comporte des variations et des contradictions. La Bible est-elle digne de confiance? Non, elle donne lieu à des interprétations différentes. La Bible est-elle digne de confiance? Non, elle comporte des différences de traduction. La Bible est-elle digne de confiance? Non, parce que parfois on trouve le premier verset du chapitre 8 dans l'évangile selon Jean ou le dernier verset du chapitre 16 dans l'évangile selon Marc. Et d'autres fois, on ne les trouve pas. La Bible est-elle digne de confiance? Non, parce que certaines de ses pensées ressemblent fort à des histoires païennes. La Bible est-elle digne de confiance? Non, parce qu'il y a un certain nombre de savants. Monsieur Didat peut tirer de son sac, de l'encyclopédie biblique ou d'autres sources, des citations disant que toute l'affaire de la crucifixion et de la résurrection est une supercherie. Je voudrais vous suggérer ce soir qu'il ne le fera pas. Parce que voyez-vous, ces savants ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas au surnaturel. Et les critiques qu'ils adressent à l'encontre de la Bible, qu'il s'agisse de crucifixion, de résurrection ou de tout autre sujet, seront également valables pour le Coran parce qu'ils ne croient pas que le Coran est la parole de Dieu. Voilà pourquoi je refuse de citer quelqu'un qui ne croit pas au Coran, car il veut prouver du même coup que nous ne devons pas croire à la Bible. Demandez au prêtre ce qu'il pense de ce que vous donnez en citation. Mais pour revenir à ce que je disais, si quelqu'un me dit « le problème avec les textes bibliques, c'est qu'il y a des différences au niveau de l'orthographe », je répondrai « il y en a aussi dans le Coran ». Mais cela prouve-t-il que le Coran n'est pas la parole de Dieu? Vous me direz non. Cela ne prouve pas que le Coran n'est d'inspiration divine. Mais si cela ne constitue pas une preuve pour le Coran, pourquoi devrait-il l'être pour la Bible? Différentes interprétations dans le Coran aussi. Versions différentes? N'y a-t-il pas des versions différentes du Coran aussi? Traductions différentes? Versets manquants? Mais il y a des suppressions dans le Coran aussi. Non? Vous secouez la tête pour dire non? J'ai lu des savants musulmans qui disent qu'il y a 250 versets qui ont été supprimés. Alors, vous êtes en désaccord avec vos propres savants? Le Coran contient-il des éléments de sources païennes? C'est possible. Le Coran ne peut pas faire l'objet d'une critique plus poussée? Nous pouvons le comprendre. Si vous n'acceptez pas d'aborder ces questions pour le Coran, vous n'avez pas non plus le droit de le faire pour la Bible. Encore 5 minutes, d'accord? Bien. Qu'est-ce que tout cela prouve?
Je voudrais tout simplement dire que selon toute raison et selon toute logique, ces choses ne prouvent rien. Les variations d'orthographe dans les textes importants de la Bible, que prouvent-elles? Rien d'autre que les mêmes variations d'orthographe dans le Coran. Les différences dans les traductions anglaises, indonésiennes ou françaises, que prouvent-elles? Rien. Rien à propos du Coran, rien à propos de la Bible. Les traducteurs rencontrent des difficultés, c'est tout. Il y a des versets qui se trouvent ici, mais pas là. Pour le Coran, il y a le même problème. C'est que toutes les variations qui ont pu exister ont été rassemblées et détruites. Ceci est mentionné dans vos traditions. Vous n'avez qu'à lire vos traditions. Dans la Bible, toutes les variantes du Nouveau Testament ont été relevées, et elles sont nombreuses. Mais comment peut-on savoir ce qui est authentique quand on n'est pas en possession de ces choses pour pouvoir les étudier? Je veux dire qu'il n'y a rien qui puisse être vérifié. Et pourtant, les traditions disent qu'il y avait des différences embarrassantes. J'espère que vous n'allez pas interpréter ce que je dis comme une attaque contre le Coran. Je veux simplement expliquer que ce qui est bon pour l'un est aussi bon pour l'autre. Si vous faites valoir ces arguments à l'encontre de la Bible, l'intégrité exige que vous produisiez les mêmes arguments en ce qui concerne le Coran, car les mêmes conditions existent là aussi. Du point de vue des chrétiens, du point de vue du Livre Saint, la crucifixion n'est pas une fiction. C-R-U-C-I-F-I-X-I-O-N et non pas C-R-U-C-I-F-I-C-I-O-N. La crucifixion n'est pas une fiction, c'est une réalité. Jésus a été crucifié, il a été tué, il est mort. Il a été mis au tombeau et trois jours plus tard, il a ressuscité. Ou bien ceci est vrai, comme le dit le Livre Saint, ou bien tout cela n'est qu'une fiction, comme le prétend M. Didat. Et si c'était une fiction, alors Dieu, qui a envoyé Jésus, son prophète le plus élevé dans la hiérarchie des prophètes qui lui sont proches, pour porter son évangile à l'humanité, aurait en quelque sorte failli. Il aurait failli pendant de nombreux siècles. Il aurait failli durant 600 siècles au moins. Vous pourriez dire que finalement il n'a pas failli puisqu'il s'est de nouveau manifesté à travers le Coran et Mohammed. Mais il aurait quand même failli durant 600 siècles. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'un Dieu qui a 600 siècles de faillite à son compte puisse servir à quoi que ce soit. Mais c'est une question qui doit faire l'objet d'un débat plus approfondi. Je termine avec ces mots. Ahmed Didat for 10 minutes. Mr. Chairman, Dr. Douglas s'est engagé dans de nombreuses pistes pour faire diversion. Je ne sais pas laquelle je devrais suivre. Voyez-vous, il a soulevé beaucoup de questions qui n'ont rien à voir avec le débat de ce soir. L'authenticité des Écritures qui ne figurait pas à l'ordre du jour ce soir. J'ai eu un débat sur la question avec frère Jimmy Swaggart pendant la période consacrée aux questions et réponses. Et voilà qu'il me lance sur cette piste. Puis-je ignorer cela? À propos des variations dans le Coran, puis-je ignorer cela? Ou bien, à propos des différentes versions qu'il confond avec les différentes traductions du Coran, puis-je ignorer cela? En d'autres termes, ces 10 minutes, voyez-vous, tout sera perdu si je commence par suivre ces pistes qu'il a lancées pour jeter de la poudre aux yeux. Voyez-vous, il a dit des choses contradictoires. Il a dit que Jésus n'était pas vivant dans la tombe pendant 3 jours et 3 nuits. Il a menti. Et en même temps, il dit qu'il a ressuscité au 3e jour.
Je n'ai jamais rencontré une personne pareille. J'ai eu affaire à beaucoup de chrétiens instruits, mais aucun d'entre eux ne m'a dit que Jésus était vivant. Il était mort, disait-il, sur la croix. Et pendant 3 jours et 3 nuits, il était mort dans la tombe et au 3e jour, il a ressuscité. Mais son idée, c'est qu'il n'était pas vivant. Alors, il courait avec des chiens de cour, avec des chiens de chasse à cour. Il a parlé des différents sens du mot esprit ou spirituel. J'en conviens, le mot esprit n'a pas toujours la même signification dans la Bible. Quand vous parlez d'esprit, ils vous disent c'est le Saint-Esprit. Ils disent l'Esprit de Dieu est venu sur moi, c'est-à-dire le Saint-Esprit. La Bible parle de cet Esprit de Dieu. Aucun chrétien ne dit qu'il existe cet Esprit de Dieu. Voyez-vous, l'Évangile selon Jean nous dit que celui qui est né de l'Esprit est Esprit et celui qui est né de la chair est chair. Cela ne correspond pas avec les propos de Jésus. Il y a différentes choses à des niveaux différents et elles ont des significations différentes. Mais pourquoi frère Douglas a omis de dire que les mots mort et mourir ont aussi plusieurs sens dans la Bible? Le mot mort ne veut pas dire nécessairement mourir dans le sens que l'âme se sépare du corps. Vous voyez, dans la Genèse, le premier livre de la Bible, Dieu Tout-Puissant met en garde Adam. Il lui dit, « Tu ne devras pas manger du fruit d'un certain arbre, car le jour où tu en mangeras, tu mourras à coup sûr. » Et pourtant, Adam vécut 930 ans. Les hommes instruits de l'Église interprètent cela en disant, « Non, c'est une mort spirituelle. » Spirituellement, Adam est mort, mais physiquement, il a vécu 930 ans. Je suis d'accord avec eux. Pourquoi une telle explication ne serait-elle pas valable dans le cas de Jésus? Vous parlez du fils prodigue. Dans vos prêches aux fidèles, vous parlez du fils prodigue, celui qui demande à son père la part de bien qui lui revient. Il part pour un pays lointain et dissipe son bien avec une mauvaise compagnie. Après avoir tout dépensé en menant une vie de débauche avec de la mauvaise compagnie, il décide de rentrer chez lui. Quand le père, qui représente Dieu, aperçoit son fils prodigue, il dit « Mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Pourquoi ? De nous avoir pas dit que cette mort signifiait une séparation entre le fils et le père. Expliquez-leur que la séparation n'est pas la mort. Car le fils n'est pas mort. Adam n'est pas mort pendant 930 ans. C'est donc une séparation, une séparation, une séparation. La mort veut dire aussi une séparation. Pourquoi n'expliquez-vous pas que la mort de Jésus était aussi une séparation avec Dieu? Parce que vous lisez dans vos écritures et non dans le Coran. Nous parlons de vos écritures. Expliquez vos écritures comme elles sont dans votre langue. Voyez-vous, Jésus, quand il était sur la croix, aurait appelé à haute voix et dit « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui veut dire « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est quoi ce « abandonné » Adam fut abandonné par Dieu. Et vous avez dit qu'il était mort. Le fils prodigue s'est séparé de son père et vous avez dit qu'il était mort. Jésus-Christ dit lui-même qu'il était séparé de Dieu et il est mort. C'est une mort spirituelle. Mais la mort dont vous parlez est une mort physique. Il est mort physiquement. Il a donné sa vie, son âme s'est séparée de son corps. C'est une mort physique. Et pourtant, vous dites qu'il était resté vivant durant ces 3 jours. Et ce miracle dont Jésus parle, le miracle de Jonas, le miracle n'a pas eu lieu dans une tombe. Dans une tombe, dites-vous, pendant 3 jours et 3 nuits. Qu'y a-t-il de miraculeux dans cela? Vous enfermez un homme dans une cave, dans une tombe, pendant 3 jours et 3 nuits. Où est le miracle? Vous l'enfermez pendant 3 semaines, ça n'a rien de miraculeux. Le miracle, c'est lorsque vous vous attendez à ce qu'il meure, mais il ne meurt pas. Ça, c'est un miracle. Et de ce point de vue, tous les chrétiens disent que Jésus était mort pendant 3 jours et 3 nuits. Jonas était vivant pendant 3 jours et 3 nuits, et donc la prophétie de Jésus ne s'est pas réalisée. Crucifié. Que signifie le mot crucifié, me demandiez-vous? Crucifié veut dire tuer. Tuer en attachant ou en fixant quelqu'un sur la croix. Si quelqu'un est attaché sur une croix, les journaux citent plusieurs cas de crucifixion. Les Philippins. Ils disent
13 Philippins se sont fait crucifier à l'exemple du Christ. 13 Philippins. À chaque Pâques, des douzaines de Philippins se font crucifier aux Philippines. Des douzaines. Je suis sûr que vous avez dû lire cela dans les journaux. Ce qui se passe en fait, c'est que la personne est attachée ou fixée par des clous sur la croix, mais quand on le descend, il est encore vivant et il s'en va en fumant une cigarette. Dans votre langue, il n'y a pas un mot, il n'y a pas un verbe. Dans votre langue, pour décrire cela, qu'un homme fut attaché à la croix. Comment dites-vous? Crucifié? Vous dites crucifié, d'accord, mais l'homme est encore vivant. Que s'est-il passé? A-t-il été crucifié? 20 ans plus tard, quelqu'un vient nous apprendre que le même homme est mort. Il a eu un accident et il est mort. Comment dites-vous alors? Il a été crucifié ou pendu ou descendu d'un coup de pistolet ou noyé? Comment dites-vous? Vous n'avez pas un mot dans votre langue. Le problème vient du fait que votre langue manque de mots appropriés pour expliquer cette situation. Quand un homme est attaché à la croix et ne meurt pas, comment appelez-vous cela? On emmène un homme à la pentance? On lui passe une corde autour du cou et on tire la corde, mais avant d'expirer, on coupe la corde et on lui accorde la grâce. 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, l'homme meurt de sa mort naturelle. A-t-il été pendu ou n'a-t-il pas été pendu? Dans votre langue, vous n'avez pas un mot pour cela. Vous n'avez pas un mot dans votre langue pour décrire une telle situation. Pas un verbe pour expliquer ce qui s'est passé. Vous ne pouvez donc pas dire qu'il a été pendu. Vous ne pouvez pas dire qu'il a été crucifié. Et pourtant, on utilise maintenant une méthode qui s'appelle le coma réversible. Voyez-vous, les gens disent alors, il est mort. Il est mort. Il a été crucifié. Il est dans un coma réversible. Eh bien, j'ai trouvé un mot pour sauver la chrétienté de sa misère. De ne pas trouver un mot pour décrire cela. Et ce mot, c'est crucifixion. En d'autres termes, il s'agit d'un simple événement qui a eu lieu. L'homme n'est pas mort. Il n'a pas été crucifié dans un coma réversible. L'homme a été crucifié fictivement. Fictivement, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une fiction. Crucifixion. F-I-C-T-I-O-N. Alors je ne sais pas ce que je pourrais encore dire brièvement. Écoutez, il y a de nombreuses raisons qui nous laissent croire que le Christ n'a pas été crucifié. Et cela, d'après vos propres écritures. Dans le livre intitulé « Les Actes des Apôtres », chapitre 1, verset 3, on dit « Il a donné, après sa prétendue crucifixion, il a donné de nombreuses preuves certaines qu'il était vivant. » V-I-V-A-N-T, vivant. Il a donné des preuves qu'il était vivant. Marie-Madeleine est allée annoncer aux disciples qu'il était vivant. Ils n'arrivaient pas à le croire. Vivant, vivant et non ressuscité. Le mot utilisé, c'est vivant. Et il sera de nouveau utilisé lorsque deux d'entre eux rencontreront Jésus alors qu'ils se rendaient à un village appelé Emmaüs. Ils retournèrent alors à cette pièce d'en haut où ils avaient pris le dernier repas avec lui et annoncèrent aux autres qu'il était vivant. Mais ils ne le crurent pas. On annonça également à Thomas que Jésus était vivant. Et il ne le crut pas. C'est vraiment étonnant. Vous lisez dans votre propre langue que le mot utilisé est vivant, 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 et non ressuscité, 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 ressuscité. Alors vous avez inventé le mot ressuscité et vous avez dit au monde que vivant et ressuscité, c'est exactement pareil. Ce n'est pas vrai. Vivant, c'est vivant. C'est comme si le Saint-Esprit n'a pas connu le mot ressuscité. Si les choses se sont passées comme vous le dites, alors le Saint-Esprit aurait dû inspirer à Luc, Marc, Matthieu et Jean qu'il est ressuscité, ressuscité. Pas seulement une fois, pas seulement une fois. Mais au lieu de dire ressuscité, ils ont dit vivant, vivant, vivant. Cet homme est-il déguisé? Éternellement déguisé? Ne se manifeste-t-il jamais? Pourquoi? S'il était vivant, s'il était ressuscité, il ne devrait plus avoir peur, car les Écritures disent, c'est le destin de tous les hommes de mourir une seule fois. Après cela, il y a le jugement. Vous ne pouvez pas mourir deux fois. Mais cet homme, vous voyez bien qu'il se conduit comme quelqu'un qui l'a échappé belle. Pilate a trouvé que cet homme n'était pas coupable. Sa femme a eu un rêve dans lequel on lui a demandé de ne pas faire de mal à cet homme juste. Il n'est resté que 3 heures sur la croix, et aucun homme ne meurt sur la croix au bout de 3 heures, selon vos propres historiens qui ont écrit des ouvrages sur la vie de Jésus. Dans son livre intitulé « La vie de Jésus », William Hanna dit que la victime d'une crucifixion reste systématiquement vivant le premier jour, et quelquefois même le deuxième ou le troisième jour, ajoutant que, dans certains cas, le crucifié reste vivant sur la croix jusqu'au cinquième jour. Comment ça se fait que Jésus soit mort au bout de 3 heures?
les deux brigands qui sont supposés avoir été crucifiés avec lui, étaient encore vivants quand on leur a brisé les os. Les os de Jésus, les jambes de Jésus n'ont pas été brisées. Pourquoi? La Bible dit que la prophétie s'est réalisée, mais il n'y a que le vivant qui ressente de la douleur si on lui brise les jambes. Si vous brisez les jambes d'un homme mort, si vous les coupez en morceaux, ou si vous les réduisez en bouillie, qu'est-ce que ça peut lui faire? Concernant chaque événement et chaque acte, je peux vous donner 30 différentes preuves tirées des Écritures pour montrer que Jésus ne fut ni tué, ni crucifié. Vous avez ce livre-ci, Crucifixion ou Crucifixion. Vous pouvez vous procurer ce livre gratuitement, lisez-le vous-même, mais je ne sais pas, vous savez, cette poudre que Dr Douglas nous a jetée aux yeux, je ne sais pas quelle portion de cette poudre je pourrais éliminer durant 10 minutes. Alors, j'espère que pendant la période consacrée aux questions, nous aurons une meilleure occasion pour parler de ce sujet et voir si Jésus a été crucifié ou s'il s'agit seulement d'une fiction. Louange à Dieu, Seigneur et Maître des univers. Monsieur Douglas, vous dites que la parole de Dieu ne peut pas être changée et que Dieu préserve sa parole. Alors comment expliquez-vous les nombreuses suppressions et modifications qui ont été opérées dans la Bible? Par exemple, les versets du livre intitulé Lévitique, où Dieu commande au peuple juif de ne pas manger la viande de porc, qui ont été supprimés. Il est possible de prouver que le Coran que nous avons représente la version originale dans laquelle il a été révélé. Y a-t-il une preuve qui montre que la Bible, dans sa version actuelle, est intégrale et n'a pas subi de modification? Bien, comme l'a dit M. Didat, il faudrait une nuit entière pour épuiser le sujet. La preuve que la Bible n'a pas subi de suppression ni de modification réside dans le grand nombre de manuscrits qui furent découverts à travers les époques, dont certains sont très anciens, et dans la diversité des langues et des pays dans lesquels ils furent trouvés. Dans le fait que ces manuscrits furent examinés, étudiés, comparés. Manifestement, il y a certaines parties de la Bible qui soulèvent des questions. Vous avez parlé du livre intitulé Lévitique. Je suis surpris que vous n'ayez pas regardé la première partie du chapitre 8 de l'Évangile selon Jean, ou la dernière partie du chapitre 16 de l'Évangile selon Marc. Dans plusieurs traductions anglaises, vous trouvez des annotations disant que ces parties ne figurent pas dans les anciens manuscrits. C'est un exemple qui prouve que tous ces matériaux ont été rassemblés, examinés, comparés les uns avec les autres en tenant compte des époques et des origines. Et ce genre de comparaison rigoureuse a été réalisé d'un point de vue humain. Même si vous supprimez toutes ces choses, il n'y aura aucune perte en ce qui concerne l'enseignement de la Bible. Il est évident que l'Ancien Testament interdit aux Juifs de manger la viande de porc. Je me demande pourquoi vous avez cité cet exemple. Que ce verset soit dans le Lévitique ou non, cette interdiction existe. Je veux simplement dire que c'est un exemple de cette manière de voir les choses d'un point de vue académique et historique. Mais, au-delà, il y a la question de Dieu. Dieu protège-t-il et préserve-t-il sa parole? Soit il le fait, soit il ne le fait pas. Préserver et protéger sa parole veut dire, en termes de signification, en termes de ce que Dieu a demandé aux hommes de faire, compter chaque I, chaque A et chaque E, ce qui est tout à fait différent, ce qui n'a rien à faire avec ce que la Bible nous enseigne. Monsieur Didat, Lazare et les autres personnes que Jésus a ressuscitées de la mort ont-ils été spiritualisés?
Voyez-vous, la différence entre résurrection et ressuscitation est évidente. Si Lazare avait été ressuscité, il serait à l'heure actuelle en train de se promener quelque part dans le monde. Il pourrait être avec nous ce soir, car, comme le disent les Écritures, aucune créature ne meurt deux fois. Alors où est-il maintenant? S'il avait été ressuscité, il se serait spiritualisé et serait monté au ciel. Mais ce n'est pas cela qui s'est produit, puisqu'il a marché et parlé avec le peuple, et puis il est rentré chez lui et a pris un repas. Il s'agit donc de ressuscitation et non pas de résurrection, en ce sens que vous ressuscitez une seule fois et après ce sera le jugement. J'espère que j'ai répondu à votre question. Monsieur Douglas, pourquoi ou quelle est la différence entre l'Ancien et le Vieux Testament? Ne devrait-il y avoir un seul livre, comme dans le cas du Coran? Ils sont comme le Coran. L'Ancien Testament est la parole de Dieu révélée au peuple juif, en partie à travers Moïse, et comportant un certain nombre de commandements et de prescriptions concernant la vie des Juifs et, au-delà, l'avènement du Messie. On ne peut pas dire que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont divergents ou qu'ils sont différents. Ils sont différents en ce qui concerne certaines prescriptions, et cela parce que Dieu, dans l'Ancien Testament, s'adresse aux anciens juifs, alors que dans le Nouveau Testament, c'est toute l'humanité qui est concernée. Mais ils sont un seul livre, en ce sens qu'ils sont tous les deux la parole de Dieu, qu'ils rapportent les actes de Dieu, et donc la nature de la révélation de Dieu conduisant à l'acte suprême de Dieu qui s'est révélé dans la personne de Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection. Je veux simplement dire que c'est en dehors du sujet. Mais vous avez raison, Monsieur Didat. La mort signifie beaucoup de choses et comporte beaucoup de sens. Mais les évangiles disent qu'ils ont tué Jésus. Ceci est très clair. Cher frère Ahmed Didat, voudriez-vous expliquer la méprise des chrétiens sur le fait que Jésus n'a pas été crucifié ni tué sur la croix, alors que la situation laissait croire qu'il était mort? Le docteur Douglas m'a accusé d'interpréter les Écritures à ma guise, mais lui-même a fait la même chose et même pire. Voyez-vous, il a cité le verset où le Coran dit: c'est-à-dire, il ne faisait que conjecturer. Voyez-vous, fiction. Mais ils furent abusés par quelques ressemblances. En arabe, shubia. Shubia ne signifie pas qu'il y a eu substitution. Le Coran, d'après Dr. Douglas, dit qu'une personne a été substituée à une autre. Non, le Coran ne dit rien de cela. Je ne sais pas si notre docteur connaît l'arabe, je suis sûr que si, vu le temps qu'il a passé au Moyen-Orient. Et s'il peut montrer que ce mot, shubia, dans le Coran, signifie substitution, ce serait vraiment quelque chose. Interpréter les gens est quelque chose de tout à fait particulier. Nous parlons de livres. Quand je me réfère à la Bible, je dis, écoutez, l'Ancien Testament dit, un esprit n'a ni chair ni os. Comprenez-vous cet anglais, un esprit n'a ni chair ni os. Si je vous dis que je suis fait de chair et d'eau, et donc je ne suis ni un esprit, ni un spectre, ni un revenant, je dis, c'est ce que ça veut dire dans votre langue anglaise. Est-ce bien ça? C'est ce que ça veut dire dans votre langue, non? Il dit oui. Si je suis fait de chair et d'eau, je ne peux pas être autre chose. Posez la même question à un Zoulou dans sa langue. Demandez-lui ce que signifie dans sa langue. Il vous dira la même chose dans toutes les langues du monde.
Quand vous dites un esprit n'a ni chair ni os, cela veut dire exactement la même chose. Vous me dites, écoutez, dans ma langue, quand quelqu'un dit un esprit n'a ni chair ni os, cela signifie qu'un esprit est fait de chair et d'eau. Nous, les anglo-saxons, nous disons des fois des choses contradictoires, mais cela veut dire la même chose. Quand vous dites, quand nous disons slow down, c'est pour dire également slow up. Vous savez, quand vous roulez trop vite, quelqu'un vous dit slow up, c'est-à-dire roulez moins vite. Vous ne le faites pas, alors qu'un autre intervient et vous dit, écoutez, on vous dit, slow down, pourquoi n'allez-vous pas plus lentement? Alors, il me dit, voyez-vous, slow up et slow down veulent dire la même chose. Quand nous disons en anglais, look out, nous entendons par là, look in, et non pas look out. Alors, que cherchez-vous avec vos histoires? Où voulez-vous en venir? Voyez-vous, imaginez un Français qui apprend l'anglais. Il se trouve dans un gratte-ciel, assis près de la fenêtre. Puis subitement, quelqu'un lui dit « look out », c'est-à-dire « faites attention ». Alors lui, il pense qu'on lui demande de regarder dehors, puisque ça a le même sens. Il se lève pour regarder dehors et se cogne la tête à la fenêtre. Il dit alors « qu'est-ce que c'est que cette langue? Vous m'avez demandé de regarder dehors et j'ai regardé dehors ». On lui répond « mais non, quand nous disons « look out », cela veut dire « look in ». Vous ne devez pas regarder dehors. Docteur, docteur, je vous en prie, dites-nous, dites à ces gens que quand vous dites dans votre langue en anglais, quand vous dites un esprit n'a ni chair ni os, cela signifie qu'il a une chair et a des os. Dites-leur cela. Dr. Douglas. Docteur Douglas. De temps à autre, nous entendons que la Bible a été modifiée par vos savants du fait qu'il existe plusieurs versions. Quelle version recommandez-vous? Si vous pensez que la Bible n'a pas subi de changement, je vous prie, s'il vous plaît, de laisser M. Didat répondre à ma question. Êtes-vous prêt pour cela? Ah oui, je voudrais être sûr qu'il est prêt à cela. Vous êtes toujours prêt? D'accord, d'accord. Je vais lui refiler la question parce que, manifestement, il pense que la Bible a été modifiée. La question que vous me posez, c'est quelle est la meilleure version? Eh bien, quand vous parlez de version, il s'agit en fait de traduction. Traduction anglaise, française, allemande, arabe. D'après moi, la meilleure version est celle qui reproduit le plus fidèlement ce que dit le texte grec du Nouveau Testament. C'est comme si je vous demandais quelle est la meilleure version du Coran. Est-ce la version de Sale, de Pictol ou d'Arbery? Connaissez-vous ces traductions? Connaissez-vous ces versions? Certains parmi vous doivent les connaître. Mais quelle est la meilleure? Peut-être diriez-vous aucune d'entre elles. La meilleure est celle qui représente une conformité parfaite entre l'anglais et l'arabe. Si je pouvais rester ici deux ou trois jours de plus, je serais heureux de vous montrer une douzaine de textes. Je choisirai le texte que vous voulez. Et je vous montrerai les différences dans les traductions anglaises. Alors, quelle est la meilleure version du Coran? C'est celle qui est la plus conforme au texte arabe. Si vous ne savez pas lire l'arabe. Quelle est la meilleure version de la Bible? C'est celle qui est la plus conforme au texte grec de la Bible. Je pourrais vous dire, celle-ci est la meilleure. Celle-là. Celle-là. Pourquoi? Parce que cette version comporte les meilleurs textes des manuscrits anciens. Et si vous m'interrogez sur la teneur de ces textes, je vous dirai, ils sont tous là, ils n'ont pas été brûlés, ni détruits, ni supprimés, ni perdus, ni quoi que ce soit. Ils sont là, vous pouvez les lire et m'interroger sur les différences que vous trouvez. Ces différences ne changent rien en ce qui concerne la signification de ces textes. Bien, les amis de M. Didat m'ont dit une fois, « Oh, les chrétiens modifient la Bible. » Avant, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, il disait que Dieu a sauvé le monde en donnant son Fils unique, enfanté par lui.
Et maintenant, ils ont supprimé le mot enfanté, en soulignant que ce mot figure dans la version du roi James, mais non dans la version standard. Quelqu'un a-t-il modifié la Bible? Non. Ce mot n'a jamais figuré dans les textes grecs. Il n'y avait qu'un seul mot dans les textes grecs, et ce mot est monogame. Alors la Bible a-t-elle été modifiée? Non. On a seulement rectifié la traduction anglaise, et le mot lui-même n'a nullement été altéré. J'aimerais corriger, Dr. Douglas, la différence entre version et traduction, voyez-vous. Les savants et les missionnaires chrétiens tentent d'abuser les musulmans en prétendant qu'il y a une similitude entre une version et une traduction, ce qui est faux. Dans le christianisme, il y a la version catholique de la Bible, la version de Joe Ahrens, qui comporte 73 livres. La version adoptée par les catholiques est celle du roi James. Cette version se compose de 66 livres, donc 7 livres de moins. D'après vous, il s'agit seulement d'un problème de traduction? Non, ce n'est pas le choix des termes qui est en cause. Quand les musulmans disent traduction, il s'agit effectivement de traduction. Yusuf Ali, Abadi, Mohamed Ali, Maududi, ce sont toutes des traductions. La différence réside dans le choix des mots, des synonymes, des termes. Des termes différents sont utilisés pour traduire un certain mot selon la façon dont chaque traducteur comprend la langue. Ça, c'est une traduction. Mais quand on supprime 7 livres de la parole de Dieu, frère Jimmy Swaggart dit que ces 7 livres sont grossiers. Les savants chrétiens disent qu'ils sont apocryphes. Que veut dire ce mot, apocryphe? C'est un terme technique qui signifie suspect. En d'autres termes, ces livres ne font pas partie de la parole de Dieu. Les protestants disent non. Et Dr. Douglas, qui est protestant, ne considère pas que ces 7 livres sont la parole de Dieu. Si vous les acceptez, vous êtes catholique. Ensuite, Dr. Douglas dit que la version la plus précise est celle qui se rapproche le plus des écritures grecques. Et celle qui se rapproche le plus des écritures grecques est la version standard, revue et corrigée. C'est ce que disent vos savants. 32 savants des plus éminents aux États-Unis ont produit la version standard, revue et corrigée de la Bible. Ils disent de jolies choses en faveur de la version du roi James que chaque chrétien doit adopter et acheter selon les dires de Jimmy Swaggart. C'est la version qu'il utilise et c'est la version qu'il vend. Et maintenant, ces réviseurs disent que ce livre, la version du roi James, comporte de graves défauts. Des défauts tellement nombreux et sérieux qu'ils nécessitent une révision. Et ils l'ont révisé. Ils ont supprimé, ils ont éliminé le mot enfanté. Vous parlez d'écriture grecque? Je ne connais pas le grec. Mais la Trinité, la Sainte Trinité, le grand mystère de la chrétienté. Car de quoi s'agit-il dans tout cela? Nous disons que Dieu est unique. Ils disent que Dieu est unique, mais ils disent aussi que Dieu se manifeste en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là, nous sommes en désaccord. Nous sommes en désaccord. Le seul endroit dans la Bible, je ne sais pas s'il s'agit de sa Bible, celle des textes grecs. Il n'a pas dit quelle version il tient dans ses mains. Mais la grande partie des chrétiens adopte cette version. Et dans la première lettre de Jean, chapitre 5, verset 7, on lit ceci. « Car il y en a trois qui rendent témoignage au ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ces trois ne font qu'un. » Ce verset fut supprimé dans votre version, de la version standard revue et corrigée par vos savants. Alors, ça, c'est une version. Le verset fut considéré comme une falsification et supprimé en tant que tel. L'ascension de Jésus est citée dans l'Évangile selon Marc, chapitre 16, verset 19, où l'on nous dit que Jésus est monté au ciel. Et dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24, verset 51, où l'on dit également que Jésus est monté au ciel. Ces versets furent aussi supprimés en tant que falsification.
C'est une version, ce n'est pas la même chose qu'une traduction. Dans une traduction, on ne supprime pas de texte comme vous l'avez fait. Voilà la différence entre une version et une traduction. Docteur Douglas, croyez-vous que l'Ancien Testament représente l'intégralité de la parole de Dieu? Si la réponse est oui, pensez-vous que Jésus a été maudit du fait qu'il a été attaché au poteau jusqu'à la mort? Je m'excuse, laissez-moi répéter votre question car je pensais avoir mal compris. Croyez-vous que l'Ancien Testament représente l'intégralité de la parole de Dieu? Oui, je crois que l'Ancien Testament est la parole de Dieu, mais je ne crois pas qu'il représente toute la parole de Dieu. Et l'autre question, si j'ai bien compris, c'est pensez-vous que Jésus a été maudit du fait qu'il a été attaché au poteau jusqu'à la mort, comme l'avait prédit l'Ancien Testament? Le Nouveau Testament dit que Jésus a été crucifié ou mis au poteau, et du point de vue des Juifs, oui, il était maudit. Il a souffert de la malédiction pour notre salut à vous et à moi. Il a porté le fardeau de nos péchés. Il a subi le châtiment dû au péché à notre place. Ne comprenez pas que les chrétiens disent « malédiction sur Jésus ». Les chrétiens, ou du moins une partie des chrétiens, j'espère que je parle au nom de tous les chrétiens, une partie des chrétiens disent « Jésus a porté la malédiction de nos péchés ». Les juifs ont traité Jésus comme quelqu'un de maudit et ils l'ont tué. Car ils ont cru que c'était un faux prophète. Il n'était pas celui qu'ils attendaient. Mais en fait, Dieu a envisagé sa mort et sa résurrection. Et cette malédiction est une forme de la bénédiction que Dieu lui a accordée. Monsieur Didat, si le Christ a réellement montré aux disciples qu'il n'était pas mort, pourquoi serait-il allé prêcher qu'il était mort et aurait-il maintenu l'histoire de la plupart d'entre eux? Si le Christ a réellement montré aux disciples qu'il n'était pas mort, pourquoi serait-il allé prêcher qu'il était mort? Je n'ai pas lu dans les Écritures que les disciples avaient commencé à prêcher. Ses disciples les plus proches ont dit qu'il était mort. Mais lui, il leur a répété « Je suis vivant, je suis vivant, je suis vivant ». Et cela mettait en cause l'idée qu'ils avaient que Jésus était mort sur la croix. C'était leur expérience, parce qu'ils n'étaient pas témoins de ce qui s'était passé. Puis voilà Jésus qui survient et qui leur prouve qu'il est vivant, qu'il est le même Jésus qu'ils ont connu. Il mange devant eux du poisson grillé et du miel. Et il s'en va avec eux et les accompagne même quand ils étaient cachés. Alors ils se sont dit, non, Jésus est vivant. Nous pensions qu'il avait été tué, mais non, il n'est pas mort. Voilà quelle était leur conviction, que Dieu l'a sauvé. Et voilà ce qu'ils ont prêché. L'idée selon laquelle il serait mort pour racheter les péchés de l'humanité ne me semble pas convaincante, car elle est en contradiction avec la loi de Dieu Tout-Puissant qui dit, l'âme qui pêche doit mourir. C'est la loi de Dieu. Celui qui commet un péché doit mourir. Le Père ne doit pas être unique avec le Père. C'est-à-dire, quoi que le Père Adam fit, et quoi que la mère Ève fit, le Fils ne doit pas être unique avec le péché du Père. Le Fils ne doit pas être unique avec le péché du Père. La vertu doit être avec lui. C'est la loi de Dieu. Et quand l'homme vertueux accomplit une bonne œuvre, il reçoit sa récompense. L'homme mauvais est maudit. Et quand il fait le mal, il reçoit son châtiment. Mais si l'homme mauvais se repent de tous les péchés qu'il a commis et suit le droit chemin, il vivra sûrement. Il ne mourra pas. C'est la loi de Dieu pour l'éternité. Il ne laissera pas un innocent payer pour le coupable. C'est au contraire à la justice. Docteur Douglas parlait de la justice de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Mais quelle sorte de justice et de miséricorde est-ce s'il ne peut pas punir le mal, les pécheurs parmi nous, s'il doit prendre son propre fils et le faire crucifier? L'amour?
Vous appelez cela de l'amour? Tuer un homme innocent, son fils innocent? Un raisonnement étonnant, logique. Le Dieu de la Bible, aussi bien que celui du Coran. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit « Je pardonne les péchés parce que c'est ma volonté et je ne me souviendrai pas de vos péchés ». En d'autres mots, une fois qu'il vous aura pardonné, il ne vous demandera plus de compte pour le sang, la brebis, la chèvre ou l'agneau, ou pour son fils. Mais il dit « Je vous pardonne vos péchés pour mon propre plaisir et une fois que je pardonne, je ne m'en souviendrai plus ». C'est la loi de Dieu dans la Bible et d'après les enseignements de Jésus, Jésus dit « Celui qui accepte, qui n'accepte pas de porter sa croix et de me suivre, n'est pas digne de moi ». Portez votre croix et suivez-moi, en d'autres termes. J'assume ma responsabilité et assumez la vôtre. En vérité, je vous le dis, leur a-t-il dit, si votre vertu n'est pas plus grande que la vertu des scribes et des pharisiens, vous ne serez jamais admis dans le royaume du ciel. Jésus dit à ses disciples, vous n'entrerez pas au ciel si vous n'êtes pas meilleur que les juifs. Je vous le demande, comment pourrez-vous être meilleur que les juifs si vous ne respectez pas les lois et les commandements? Monsieur Douglas, cette question vous est adressée. Les chrétiens disent que Jésus est Dieu. Jésus se considérait-il comme Dieu? A-t-il dit « Je suis Dieu » A-t-il demandé à ses fidèles de l'adorer? J'aimerais d'abord dire quelques mots rapides à propos de ce que disait M. Didat, à savoir que les disciples ne sont pas partis dans le monde pour prêcher la mort de Jésus. D'après le livre saint, ils l'ont fait effectivement, 10 jours après l'ascension de Jésus au ciel. Le Saint-Esprit est venu et la première fois qu'ils ont prêché, ils ont dit, « Peuple d'Israël, Jésus de Nazareth, un homme que Dieu vous a exhibé en public par des œuvres de puissance, des présages et des signes, et ainsi de suite, cet homme vous a été envoyé par Dieu à dessein. Vous avez aidé les hommes méchants à le tuer en le clouant sur la croix, mais Dieu l'a relevé de la mort. La deuxième fois qu'ils ont prêché, ils ont dit, vous l'avez livré pour être tué et vous l'avez renié devant Pilate. Vous l'avez tué, mais Dieu l'a relevé de la mort. En fait, ils ont commencé à prêcher cela. Avaient-ils raison ou avaient-ils tort? Était-il abusé ou y avait-il quelque chose d'étrange qui s'était produit? Jésus se considérait-il comme Dieu? Vous voulez savoir s'il l'a dit expressément? S'il s'agit seulement de l'expression « je dis que je suis Dieu », vous ne trouverez pas ces mots dans la Bible. Mais pendant le jugement de Jésus, quand il a comparu devant les autorités juives, on lui a posé cette question. Dites-nous, êtes-vous le fils du béni? Qui est le béni? Marie? Ou Dieu? Jésus répondit, je le suis. Alors ces juges dirent, qu'avons-nous besoin d'autres preuves? Il a blasphémé, il est passible de mort. Blasphémer n'appartient qu'à Dieu seul. Personne ne le sait mieux que les Juifs. Aucun peuple à l'époque n'était plus susceptible qu'à cette question. Eh bien oui, Jésus a dit qu'il était Dieu à 3 reprises dans l'Évangile selon Jean. Il a dit, à moins que vous croyiez que je suis lui, vous mourrez dans vos péchés. Avant qu'Abraham soit venu à l'existence, j'étais. Ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, car ils avaient bien compris ce qu'il disait. Pourquoi ont-ils réagi ainsi à ces propos? Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu dit, « Mon nom est, je suis qui je suis. » Oui, je dis oui, Jésus a dit qu'il était Dieu. A-t-il demandé à ses fidèles de l'adorer? Si vous voulez dire par là qu'il a demandé à ses fidèles de se mettre à genoux et de l'adorer, non. Nous ne trouvons pas de tels propos de la bouche de Jésus dans les évangiles. Mais par contre, nous lisons que des gens s'agenouillaient devant lui et l'adoraient. Et il l'a accepté. Et il n'a pas dit « Levez-vous ».
Il n'a pas dit vous faites erreur. Il n'a pas dit ne le faites pas. Il n'a pas dit ce n'est pas convenable. Il a accepté ça. Ah, monsieur Didat, vous fondez votre raisonnement sur des petits détails de la Bible. La même Bible à laquelle vous croyez est impossible. Pour moi, il s'agit d'une contradiction. Pourquoi faites-vous cela? Je respecte votre religion, mais c'est une question que je n'arrive pas à comprendre. Monsieur le Président, chers frères, voyez-vous, dans tous les pays civilisés, les gens peuvent avoir des différends. Et quand ce différend est porté devant le tribunal, le demandeur, le plaignant, va à la barre des témoins, et fait une déclaration. Il expose l'objet de sa plainte. L'avocat de l'autre partie interroge le plaignant. Il l'interroge sur les preuves qu'il a produites pour démontrer au juge que le plaignant ment, qu'il est menteur. Si au cours de ce contre-interrogatoire, il a le sentiment que le juge s'est convaincu que le plaignant ment, il conclut en demandant l'acquittement et l'indemnisation de son client, et il l'obtient. C'est la pratique habituelle dans toutes les affaires judiciaires. En cas de procès, vous interrogez les personnes en cause et vous présentez vos conclusions. Le Coran nous dit de faire la même chose. Il dit... Ils disent, les chrétiens et les juifs, les musulmans n'entreront jamais au paradis. Il n'y a pas de paradis pour vous, il n'y a pas de salut pour vous, à moins que vous ne deveniez juifs ou à moins que vous ne deveniez chrétien. En réponse à cela, Dieu Tout-Puissant dit, c'est-à-dire, c'est leur souhait, leur hallucination. Dit, produisez vos preuves. Si vous êtes vraiment véridique, faites-nous voir la preuve que vous êtes destiné au paradis et que nous sommes voués à l'enfer. Alors ils ont produit cette preuve, la Bible. Dans 2000 versions, la Bible dit cela, la Bible dit cela. Alors nous étions obligés de regarder dans la Bible, d'examiner ce que disent vos témoins. Et nous avons prouvé de la bouche de vos témoins que vos allégations, que vos affirmations, que vous prétendez ne figurent pas dans la Bible. Voyez-vous, et maintenant, il me dit, qu'en est-il des choses que nous avons prouvées? Je dis, écoutez, ces choses ne sont pas en cause. Si vous dites que Dieu est unique, je suis d'accord avec vous. Il dit, citant la Bible, écoutez, chacun est personnellement responsable de ce qu'il fait, que ce soit un homme ou une femme. Je dis, je suis d'accord avec vous. Ne voyez-vous pas? Si vous dites, Dieu est le Père qui vit au paradis, je suis d'accord avec vous. Mais quand vous dites, il est comme Shylock, le personnage de Shakespeare, il prend en gage la chair de ses créatures et les rend responsables du péché d'Adam et d'Ève, puis vous ajoutez que selon la doctrine chrétienne, tout le monde ira en enfer, à cause de quoi? À cause du péché qu'Adam a commis? C'est une idée complètement absurde, parce que Adam ne m'a pas demandé mon avis ni celui de ma femme avant de manger la pomme. Comment Dieu peut-il nous rendre responsables de cela? Monsieur Douglas, au chapitre 12, verset 40, Matthieu dit, de même que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre de l'énorme poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Je suis chrétien, j'appartiens à l'Église, je suis confus. Je vous prie de m'expliquer comment Jésus peut-il demeurer 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. D'abord, je voudrais dire que j'aurais souhaité pouvoir parler plus longuement de ce sujet, mais le temps qui nous est alloué ne me le permet pas. Je pense que vous êtes confus et que vous faites allusion à ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé de ce passage. Si quelqu'un reste 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre, et si nous faisons des calculs à la lettre, nous arrivons à 72 heures. De quoi s'agit-il en fait? De 3 jours et 3 nuits exactement?
ou bien d'un temps approximatif, comme je l'ai déjà expliqué. Je dis à des amis, j'étais en voyage. Ils me demandent, où étiez-vous? Je dis, à Lawrence, Kansas. Combien de temps êtes-vous resté là-bas? Combien de temps êtes-vous resté là-bas? Je suis resté 2 jours. Voyez-vous, cela ne veut pas dire que j'ai été à Lawrence, Kansas pendant 48 heures. Les écrivains du Nouveau Testament recueillaient leurs informations de plusieurs sources différentes qui ne comptaient pas le temps de la même manière. Si vous comparez la manière dont le temps est évalué dans l'Évangile selon Jean, en ce qui concerne la mort de Jésus, avec la manière dont il est évalué dans les évangiles selon Matthieu, Marc ou Luc, vous allez trouver une différence. Et cette différence provient tout simplement de la façon dont chacun d'eux a décrit le temps. Comme l'a souligné M. Didat, le jour commence chez les Juifs à compter du coucher du soleil. Mais les Romains ne comptaient pas les jours de la même manière. Il y a des écrivains qui ont adopté la méthode romaine, alors que d'autres ont adopté la méthode qu'on pourrait appeler sémitique ou hébraïque. La différence peut être aisément expliquée, c'est une question de reportage. Vous qui êtes américain, vous devriez le savoir, et si vous aviez effectué votre service militaire, si je vous demandais quelle heure est-il, certains me diraient 2200. D'autres penseraient, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il est 10 heures. C'est la même heure, mais la description est différente. Ce sera la dernière question à M. Didat. M. Didat, dans le livre de la Révélation, Jésus dit, « Je suis le premier et le dernier. » Et il dit aussi, « Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. » Si le Christ n'était pas Dieu, pourquoi tiendrait-il de tels propos? Les savants vous diront que le livre de la Révélation est un rêve fait par Jean. C'est un rêve qu'il a transcrit sur du papier. C'est ce que les gens entendent si l'on admet que Jésus est apparu à Jean et lui a dit « Je suis Alpha et Oméga ». Si cela était vrai, ce que je ne crois pas personnellement, car c'est Dieu Tout-Puissant et non Jésus qui dit « Je suis Alpha et Oméga, je suis le premier et le dernier ». Mais à supposer que c'est Jésus qui a prononcé ces paroles, comme vous le prétendez dans vos traductions, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un rêve. Vous savez, quand on mange un peu trop, il arrive parfois qu'on fasse des rêves, des choses qu'on voit pendant le sommeil. Et le livre de la Révélation nous décrit des bêtes avec des yeux sortis de leurs orbites et des yeux enfoncés dans leurs orbites. Vous avez exactement les mêmes choses que vous voyez quand vous mangez un peu trop. Pendant tout le temps que Jésus passa sur terre, aucun évangile, qu'il soit de Matthieu, de Marc, de Luc ou de Jean, dans aucun évangile, Jésus ne dit « Je suis Dieu ». Ou bien adorez-moi. Bien au contraire, il dit, mon Père est plus grand que moi. Il dit, mon Père est plus grand que tout. Il dit, je ne peux rien faire de mon propre chef. Comme je vois, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne recherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il a encore dit, ce jour-là, ni les hommes, ni les anges, ni le Fils, mais le Père qui est au ciel. Je ne suis pas comme Dieu par le savoir, je ne suis pas comme Dieu par la puissance. Toute la puissance que j'ai m'a été donnée, elle n'est pas à moi. C'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est par l'Esprit de Dieu que je fais ces choses. Où dit-il qu'il accomplit des miracles par lui-même? Où dit-il que c'est sa puissance? Où? Nulle part. Dans le livre des Actes que Dr. Douglas a cité, Pierre dit, « Jean d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, un homme que Dieu vous a exhibé en public, un homme et non un Dieu vous a été exhibé en public. » Il a cité ce texte, mais quand une citation est donnée aussi rapidement que l'eau qui coule, l'auditeur ne retient pas chaque mot. Il dit « Dieu vous a exhibé en public un homme par des œuvres de puissance et des présages et des signes que Dieu a fait par son entremise. » Il ne les a pas fait par lui-même, que Dieu a fait par son entremise au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Je dis, écoutez, nous admettons ces choses-là. Le Coran reconnaît le fait qu'il a ressuscité les morts par la permission de Dieu et qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux par la permission de Dieu. Nous l'admettons. Mais je dis que votre interprétation
que vous faites dire à vos écritures des choses qui n'y figurent pas, des choses qui sont contraires à ce que Jésus a proclamé. Il dit, je vais vous apprendre comment il faut prier. Vous devez prier ainsi, notre Père qui es aux cieux, le Père de tout le monde, Jean, moi, et même Judas, et non seulement le Père de Jésus au ciel. Que votre nom soit sanctifié, singulier, votre nom. Que votre volonté soit faite aussi bien au ciel que sur la terre. Où dit-il « Je suis Dieu » Où dit-il « Adorez-moi » Nulle part. Nulle part. Il y a autre chose que j'ai entendu à la télévision au cours de l'émission de frère Jimmy Swaggart. Il donne des leçons à la télévision et à la fin d'une de ses leçons, sur Babylone, un de ses fidèles dit « Vous savez, je suis allé en Mongolie, j'y étais il n'y a pas longtemps, j'ai visité un temple bouddhiste et là, j'ai vu une roue sur laquelle les fidèles montaient pour accomplir leurs prières. Les fidèles montaient dessus et on faisait tourner la roue. J'ai demandé au responsable du temple, pourquoi fait-on tourner la roue? Il m'a dit, regardez, maintenant, nous demandons à Bouddha de nous venir en aide. C'est pour cela que la roue a cette forme dentelée. Je lui ai dit, écoutez, j'ai lu beaucoup de livres sur Bouddha, mais je n'ai vu nulle part qu'il s'était proclamé Dieu, nulle part. C'est un fidèle de Jimmy Swaggart. Il a dit, personne ne dit que Jésus, que Bouddha est un Dieu. Ça n'existe nulle part. Le responsable lui a répondu, c'est vrai, mais nous disons qu'il est Dieu. Nous l'avons fait, Dieu. C'est exactement pareil. Il parle et se moque des bouddhistes, mais c'est la même chose pour lui. Je dis, mon frère, vous êtes logé à la même enseigne et vous portez exactement la même chose. Chers frères et sœurs, je vous demande de saluer chaleureusement ces deux grands savants, ces deux éminentes personnalités qui ont partagé leur temps précieux et leur énergie avec nous ce soir. Merci beaucoup.